Bonsoir à tous, mais quel plaisir de vous retrouver en direct. Alors avant de commencer, je crois Julien que tu avais des abonnés en retard à remercier. Ça va. C'est ma question, Julien. Oui, je vais répondre. Tout de suite, là? Ça a commencé? Bah, ça fait 5 minutes qu'on est en direct, là. L'émission a commencé? Écoutez, je ne savais pas que l'émission avait commencé. Est-ce que vous avez la ref? Qui a la ref? J'ai presque tenu. Ah oui, t'as lâché à la toute fin. Mais j'ai pas. C'est pas vrai. Référence à Finkielkraut, évidemment. Qu'on salue assez peu, finalement. Qu'on salue pas, mais qui nous a bien fait rire à son insu cette semaine sur la télé. Ah, un petit glitch, je l'ai vu. C'est pas grave. Un premier petit glitch, n'hésitez pas à mettre glitch dans le chat. On sait pas d'où ça vient ce problème. Aidez-nous. Alors oui, voilà, peut-être un petit problème technique sur la caméra, mais par contre, pas de problème technique au son. Oh, regardez-moi ça, des nouveaux micros, sure. Magnifique, sure, for sure. C'est des... Alors, attends, je vais pas dire de conneries. SM7B, voilà. Exactement, c'est les micros du game, hein. On va pas se le cacher, hein. Ils ont un son parfait, logiquement, vous nous dites si vous entendez bien. Comme ça, vous pouvez définitivement nous confondre avec 301 vues. Voilà, on a quasiment la même table, quasiment les mêmes micros, la même horaire, donc on est souvent pas... les mêmes invités. Oui. Okay. C'est vrai, retrouver sûrement Brigitte Lecordier dans quelques semaines sur 301 vues. Brigitte qui va nous rejoindre évidemment tout à l'heure, enfin dans très peu de temps elle est sur le canapé. Mais qui est déjà là, j'ai envie de te dire? Il y a quelqu'un qui est derrière là, qui bouge des potins depuis tout à l'heure. Mais c'est Stéphane Carlo, le réalisateur, oui. Qui a un an de plus par rapport à la semaine dernière. Oui, bonsoir. C'est vrai, il a les plus. Bonsoir, bah oui, ça y est. Aïe, la vieillesse. Plus en moins. Mais bon. Aïe, ça comment se voit. Va le chat? Comment va le chat, exactement? Parce qu'on a des nouveaux micros, on a plein de trucs, mais en plus le problème c'est que, alors moi j'ai un petit doute, c'est que il y a un problème de synchro en général, hein, parce que comme on a des masques, eh ben, est-ce que c'est synchro? On n'a pas l'impression que la synchro est faite. Et là, il les a enlevés. La synchro était faite. Alors, on précise d'ailleurs. Je parle très vite pour qu'on voit si la synchro marche. Fais attention, tu prends la voix d'Astéris quand tu parles très vite. Ou de Julien Lepers. Top, je suis une marque de micro qui a soutenu Askip. Je fais des très bons micros qui s'appellent SN7B. Je suis. Les micro-chures? Oui, t'es sûr de toi ou pas? On a fait que des jeux de mots toute l'après-midi. J'adore cette marque. Par contre, on avait vraiment des abonnés à remercier parce que c'était oui. Quand même. Oh, merci pour les bons anniversaires, Stéphane. Vous êtes adorable dans le chat. Oui, souhaitez un bon anniversaire. Il y a Stupid Mad Fox qui vient tout juste de s'abonner. Alors, merci beaucoup. Et on a quelques abonnés en retard qu'on voulait remercier, d'où la blague de début. Effectivement, on a vraiment des invités. Ah, il y a du glitch. Ah, ça m'énerve. Dites-nous, si des gens utilisent des Atomos 4K, connectent 4K, pourquoi on a ce bug-là? On comprend pas. Il n'y avait pas de bug pendant des semaines. On est désolé pour ces petits flashs. Et puis, accessoirement, ça ne l'a pas fait de l'après-midi aussi. Oui, voilà. On est un peu pas. Bon. Mais c'est rien, faut les oublier. Faut fermer. Si vous clignez des yeux juste au bon moment, normalement vous voyez rien. Mais ouais, c'est ça. L'avantage. Alors on a vous étiez 9 mois déjà, bientôt le terme. Et oui, merci beaucoup, vous étiez, ça fait plaisir. Squid le Kraken aussi qui vient de s'abonner, merci beaucoup. Enfin, non, il y a 4 jours, c'était pas du tout, il vient de s'abonner, mais merci quand même. AP Viper qui vient de s'abonner Vient, là, voilà, qui offre des abonnements à Francis Master. Ah, j'ai pas vu en plus, bienvenue à toi. Et effectivement, la semaine dernière, on a raccroché un petit peu trop vite, on a oublié des personnes, on a oublié, je vais zoomer un petit peu. J'ai pris un screenshot. On a oublié Anne Schrottel. Anne Schrottel, merci beaucoup pour ton mois d'abonnement. On a Sbirim aussi, merci beaucoup. Tes copains, évidemment, qui avaient abonné Arnaud de sa mère. Ça, je crois qu'on l'avait vu passer. Merci beaucoup, tes copains qui nous soutiennent, qui avaient abonné encore 2 abonnements. Il abonne des abonnements carrément, tes copains. Il n'a plus aucun respect. il en a offert aussi à Adrien Méniel, pour qu'il revienne peut-être. On ne sait pas, Adrien Méniel, qui est donc abonné à Askip. Le Tiasma, qui avait envoyé des bills. Encore, comment on a pu passer à côté de ça? Merci beaucoup, le Tiasma, qui est très actif sur le Discord. Vous pouvez scroller, il y a le lien vers le Discord. Il se passe pas mal de choses, ça s'amuse. Ça commence à jouer entre Askipot. C'est ce que j'allais dire, oui. Sur le Discord, ça commence à jouer. Je crois qu'il y a c'est un Gartic Phone qui s'est lancé. Je crois que oui, je crois qu'il y a ça. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Je vois que She's a Cheesy Lover vient de s'abonner aussi. Merci beaucoup. Cheesy Lover? She's a Cheesy Lover. Ah, ok, ça me plaît. Très content d'avoir réussi à le dire d'une traite. On avait Hugo Rusted aussi, qu'on connaît bien personnellement. Merci beaucoup, Hugo, pour ton sub, ça fait plaisir. Score Butman aussi, bien aimé, pour un mois. Bienvenue à toi, du coup, Score Butman, si tu es là ce soir. Petit coucou à Benever qui est dans le chat. Salut, Ben. Oh, Benever, c'est pas vrai, il a une chaîne Twitch ou quoi? Alors bah, oui. Ah bon? Je sais pas, je te pose la question. C'est la question que je Benever. Vous pose, Julien. Je vais y répondre. Je vais y répondre. Moi, c'est ce mouvement-là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'extrait sur CNews, je suis désolé, mais ça. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement? Attends, il y en a plein là. Il y a Néochrome, Léonie Kadik. Oui. Et j'en ai encore loupé un. Hein. Je les ai, t'inquiète pas. Voilà. En tant que backer de la saison 2 avec Pipoudou, j'ai pas la suite du message. Ah si, c'est bon, je l'ai. Sirop d'érable aussi. Scroll. Avec Brigitte et Fantaskip, je me dois de. Il est trop long ton message, Néochrome, je suis obligé de.
Je me dois de continuer à payer. Ok, merci beaucoup, Nocrome, ça fait plaisir. La bonne question aussi, pour deuxième mois, merci beaucoup. Dernière cuvée qui envoie des beats aussi. Merci beaucoup, dernière cuvée. Très bon blaze, très breton ce blaze. Et du coup, le train de live qui s'est lancé. Oui, il y en a plein, la Baon 56400, un breton, j'espère. Du Morbihan, on salue le Morbihan. Voilà, je salue le Morbihan en direct. Du Rory. On connaît très bien, merci beaucoup pour le soutien. 9 mois. 9 mois, c'est important. 9 mois, j'ai envie de dire, ça fait plaisir. Toucan Toko aussi. Toucan Toku. C'est vraiment une compilation un jour, s'il vous plaît, de nous qui galèrent. C'est tout le monde. Tout le concept ça. De Twitch. Est-ce qu'on a fait le tour? Est-ce qu'on a encore deux tout petits trucs oui. sur cette intro? Bah, on a. Danny. Voilà, on se doit de remercier Danny pour ceux qui étaient là la semaine dernière avec nous. On a envoyé un host à Danny The Hamilton, un jeune musicien très talentueux d'une trentaine d'années qui fait du Twitch que moi j'aimais bien. Et on a envoyé pas mal de monde du coup chez lui après l'émission avec Arnaud de sa mère. Il était ravi et du coup, il a fait une chanson. Sur moi. Désolé Valentin parce que la chaîne du coup elle est à mon nom. Ouais, alors, ouais, on essaiera. J'espère qu'un jour Dany sera en live, c'est ce que je te disais tout à l'heure, pour qu'on puisse re-héberger ou re-raid Dany pour qu'il te fasse une chanson à toi. Ça serait la moindre des choses. Mais du coup, je ne peux pas résister, pour ceux qui n'étaient pas là, à l'idée de vous montrer un petit extrait parce que quand il dit Julian Jocelyn, c'est quand même plutôt rigolo. Et je vais avancer un petit peu parce que ça a duré 6 minutes. Il y a Joe Palmacho aussi qui vient de s'abonner. Alors je sais pas si c'est. C'est sûrement Jonathan Barré, j'espère bien. Si c'est toi, bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, le Joe Barré qui réalise. Il tourne. Il vient de tourner un movie, là, les vedettes, avec Palma Show. Alors, je mets un petit extrait de Danny The Hamilton et je vais avancer un petit peu. Il y a la version complète sur mon IGTV si jamais vous voulez tout voir. Bon, voilà, qui nous régale de sa petite chanson sur ma personne. Let me know if there's a song that I can play for you after we get through with your theme song here. Tussling some horseshoes, tussling the grass to get them, yeah. Julien Jocelyn. J'espère que c'est sympa ce qu'il dit d'ailleurs, parce que je pense que je ne comprends pas plus jamais tu viens sur ma chaîne. Bon, il y a quand même 6 minutes, je vous invite à aller voir sur Instagram si ça vous plaît, et allez le suivre évidemment sur Twitch. C'est Danny. You can't get enough of me, attends. Danny The Hamilton. Danny The Hamilton. Je vous mets un petit passage un peu plus tard parce qu'évidemment il est parti un peu en cacahuète. Il a commencé à dire un truc un peu. Il n'y a pas trop de sens. Attends, je crois que c'est par là. I understand your French. Well, I'm Canadian. I speak a tiny bit of Quebec French. Goes a little something like this. Je m'appelle. Danny Le Hamilton, je m'appelle Danny Le Hamilton. Comment s'appelles-tu, Julie et Jocelyn? Comment s'appelles-tu? Ça va bien? Ah! Merci beaucoup! Ça, c'est vrai, merci. Ananas! C'est vrai. Jacques Cousteau! Now I'm doing Flight of the Conchords. Oui, says the chat. Il nous a régalé de tous les mots français qu'il connaissait. On a eu du Emmanuel Macron, Guy Depardieu. Guy Depardieu, le frère de, sans doute, de ben, Gérard. Oui, je sais pas. Ouais. Guy bon, Depardieu. Voilà. En tout cas, merci encore Dany qui nous a régalé de cette chanson très voilà. Ça c'est Twitch, j'ai envie de dire. Je sais pas si j'ai entendu mon coloc en train de crever. Qui, là, je suis content, tu vois, qu'il ait fait un test Covid il y a pas longtemps. Oui, d'ailleurs, on vous a pas précisé. On n'a pas les masques, mais on s'est fait tester, dépister pour que ça soit plus sympathique. Et du coup, on n'a pas la synchro. Du coup, on n'a pas la synchro. Est-ce qu'on a la synchro? Les gens, ils ont dit qu'on avait la synchro ou pas? Je parle très vite pour avoir la synchro. Mais qui passe hors contexte, c'est vraiment, tu es un fou. Falco, merci beaucoup. Voilà, pardon, je viens de voir passer. Et on peut juste aussi préciser que la semaine prochaine, on reçoit Crustle.
Donc, oui. Julien Pestel et Marion Creusot, que vous avez peut-être découvert sur Instagram. J'ai une petite photo pour ceux qui veulent mettre des visages sur les voix. Voilà, ils ont cartonné pendant le confinement avec leur vidéo Crustle, mais ce sont aussi d'excellents comédiens. Et on reçoit la semaine d'après Marcus, le bon Marcus, voilà. Oui. L'inventeur du stream, finalement. Oui, quasiment. Tout simplement. L'inventeur du Let's Play. Mais je crois qu'on a fait le tour de l'intro. Écoute, oui, écoutez, c'était très sympathique. Moi, je veux bien les petits retours de ce que disent les gens sur le son. Est-ce que c'est correct ou pas? Tu as lu un petit peu, Stéphane? C'est mitigé. Les gens ne sont pas d'accord, c'est ça que tu es en train de nous dire. Les gens ne sont pas d'accord. Bon. Ah! On nous parle de... Ah, écoute, on va en parler tout à l'heure. Ah voilà. Oui. On garde le mystère. On a un dogo maintenant dans l'émission. Il y a un dogo qui fait partie du décor maintenant. Il reste quelques abonnements. Je remercie au passage. MSL Bébé nous dit Sinpi 0055. Bienvenue à toi. Eh ben non, pas bienvenue à toi d'ailleurs. 9 mois. Mais attends, c'est pas vrai. Pendant 9 mois, t'étais là. C'est pas vrai. Sinpi, je vais te retenir cette fois-ci. Et Sœur Malo aussi, 2e mois. Merci beaucoup. Monsieur Watteau, tu l'as remercié, je crois. C'est fou qu'après 10 mois, quand même, je galère autant à le lire. Merci beaucoup. Monsieur Watteau, Falcoreux et Zendy86 qui envoient 100 bits aussi. Merci. C'est pas vrai. Ça a commencé, là? Les bits ont commencé? C'est pas vrai. Ça fait 10 minutes qu'on est en live. Ça fait 10 minutes qu'il y a plein de bits, là. Esclave Canard aussi, merci beaucoup pour comprendre. Marcus Gunn, le fils de James Gunn et de Marcus, voilà, je t'expliquerai, qui vient de s'abonner aussi. Merci beaucoup. Est-ce qu'on n'est pas parti pour l'émission? Allez, c'est parti. Un petit générique et on retrouve à cet endroit Brigitte Lecordier. C'est parti. Il manque 5 images. 5 images de décalage. Ah, quand même 5. Du coup, vous le savez, vous pouvez décaler le son de 5 images. Et c'est oui. Bonjour Brigitte. Bonjour. Bonjour, on est ravis de te recevoir. Évidemment, comme tous les gens. Julien Jocelyne, ouais. Et Valentine Vincent. Brigitte Lecordier. Tu es comédienne, spécialiste dans le doublage. On a pu t'entendre faire Sangoku, Oui. Je ne vais pas tous les citer parce que la liste est énorme. Ah oui, oui. On s'est permis de retourner sur Wikipédia, voilà. Évidemment. Et j'imagine qu'il n'y a même pas tout. Bonne nuit les petits aussi. Incroyable. Les enfants de Bonne nuit les petits. En 1915. Voilà, tu es une voix qui a accompagné énormément de personnes et qu'on accompagne encore aujourd'hui. Ah, et qu'on découvre régulièrement. Parce que moi, du coup, je suis allé sur Wikipédia, j'ai vu World of Warcraft, Final Fantasy. Ah bon, oui, j'espère bien. Direct, c'est incroyable. Directrice artistique d'Aquaman aussi. Ah oui, mais c'est en 1915, ça. C'était les premières cassettes vidéo avec Batman, Aquaman, machin, tout ça. C'était génial d'ailleurs. On était complètement libre des choix des comédiens. Ah, plus maintenant. Je n'avais pas posé les questions. Allez, boum, un petit pavé dans la mare. Appelle à Brigitte. Mais oui, maintenant. Parce que ça fait des années que tu fais ce métier. Tu as vu évoluer le métier de comédien de doublage? Énormément, oui, bien sûr. Oh oui, déjà au départ, on était extrêmement peu nombreux. En plus, il n'y avait pas beaucoup de dessins animés. Les dessins animés qu'il y avait, c'était du Disney. Mm-hmm. Et puis, d'un seul coup, sont arrivées les chaînes. Parce que quand j'ai débuté, il y avait 3 chaînes, quoi. Tu vois, c'est passé de 3 à 5, de 5 à 10, et de 10 à 40. Ah oui, plus. Oui, je crois qu'il y en a plus. Ouais. Je crois qu'on est à plus de 40. Et voilà, et donc tout ce volume, il a fallu le remplir avec nos voix. Non, c'est super. Donc en fait, on est arrivé pile poil au bon moment. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est incroyable. Aujourd'hui, je pense qu'il y a Netflix et tout ça qui arrive, mais c'est un petit peu différent. Je pense pour les jeunes comédiens, ils sont moins libres que nous, nous l'avons été. Je pense. Oui, c'est vrai qu'il y a des exemples de doublage de l'époque qui en roue libre totale parfois. Parfois trop, culte, mais au moins, c'est drôle. C'est ça. Et puis, tu as aussi une chaîne Twitch. Et oui, j'ai une chaîne YouTube. Une chaîne YouTube, oui. On a le petit onglet. Si les gens veulent aller s'abonner, allez vous abonner à ma chaîne. Brigitte Lecordier. Ah, j'allais donner le HTTP. Je ne sais pas s'il y en a un simplifié, parce que là, c'est youtube.com/channel/UCTS780. Non, sinon Brigitte Lecordier. Ok, Brigitte Lecordier. Vous tapez Brigitte Lecordier sur YouTube. Vous arrivez sur cette chaîne. L'avantage. Et c'est génial, non, mais oui. Et tu
as une chaîne aussi Twitch. Oui, oui, qui s'appelle aussi Brigitte Le Cordier. Ce qui est plutôt pratique. J'ai cherché loin. Ce qui est plutôt, voilà. plutôt pratique pour t'en trouver. J'ai essayé Julian Jocelyn. et en fait, ils m'ont dit non, Brigitte Le Cordier. Déjà pris. Bon. Non, mais c'est génial, tu es partout. Tu es vraiment, ça y est maintenant. Ouais. Est-ce qu'il y a un média que tu n'as pas conquis? J'ai envie de te demander. Instagram, tu disais que... Instagram, je suis assez nul aussi. Est-ce que tu es sur TikTok, d'ailleurs? J'ai vu qu'il y avait pas mal de comédiens de doublage qui, petit à petit, arrivaient sur TikTok. Je suis pas encore. Et puis, il y a ce côté... Ça t'intrigue pas plus que ça. Instantané, comme ça, de petit machin. J'aime autant te dire que tu ferais un carton, Brigitte, sur TikTok. Moi, pour être un utilisateur de TikTok, je ne peux que te le conseiller. Ouais, si tu veux, je peux être ton CM sur ce coup. Toutes les semaines, il fait de la pub pour TikTok. Oui, il me paye. Okay. Okay. T'es payé par pour ça? Ah ben, je me demande. Payé par la Chine directement. D'accord, ok, on va voir ça. Non, mais bah, c'est vrai, effectivement, beaucoup de gens sont venus vers moi pour me proposer de participer à TikTok, mais en fait, pour l'instant... En fait, je sais pas comment vous faites, mais ça prend un temps fou, quoi, tous ces... Oui, par contre, c'est vrai. Ouais. Entre la chaîne, Twitch et tout ça, il faut les préparer quand même, c'est les vrai. Émissions. Ouais, bien sûr, bien sûr. Après, il y a beaucoup de gens aussi sur TikTok qui réutilisent le contenu, qui utilisent sur YouTube ou ailleurs. Tu peux aussi recycler, hein. Il y a des gens qui font ça, évidemment. C'est d'ailleurs, pas des purs. C'est pas des purs. Ça serait curieux de te chercher sur TikTok. Je suis convaincu qu'il y a beaucoup de vidéos de gens qui sont amusés à se redoubler sur des passages. Ah, c'est bien possible. Ouais, c'est bien possible. C'est plus que certain. Il faudrait qu'on fasse ça. Et qu'est-ce qui t'a donné envie d'arriver sur Twitch ou YouTube? Bon, en fait, sur YouTube, je suis arrivée d'abord parce que j'avais fait un dessin animé avec ma voix d'enfant, tu sais, où je faisais des canulars téléphoniques, qui s'appelle Allo, c'est Ninou. Et en fait, Canal+, l'a diffusé et puis est arrivé en fin de diffusion. Et puis, il n'en faisait plus rien, quoi. Ah. Et du coup, j'ai demandé... En plus, ça a été diffusé pour les enfants. Et moi, je ne m'adressais pas aux enfants, je m'adressais à vous, enfants, grands-enfants, parce que vous saviez que j'étais derrière cette voix, quoi. Mmh. Et c'est ça qui est drôle, c'est que ben, les gens ont l'impression d'avoir un enfant en face d'eux et que vous sachiez qu'en fait, ce n'est pas un enfant, quoi. Mmh. et en fait, Canal n'avait pas vraiment compris la double lecture, voilà. Et je me disais, c'est dommage, c'est un peu raté. Et du coup, j'ai pu récupérer, grâce à mon producteur Alexis Lavilla qui m'a proposé de le mettre directement sur YouTube. Et voilà, j'ai fait ça. Et une fois que tu es sur YouTube et puis qu'il y a une pandémie, tu te dis, j'arrive pas à tourner comme je voudrais. Alors, je vais faire Twitch. Et puis... Ça a lancé beaucoup de monde, cette pandémie sur Twitch. C'est ça. Vrai. Ouais. Nous, cela dit, je trouve ça sympa. Hein. nous, ça nous a stoppé et on a pu enfin reprendre. Mais ah oui, non, mais c'est sympa. C'est et puis, là, je lisais dans le chat, tu fais des tweets jusqu'à 4h du mat. 5h, ouais. Et Durori, qui est très malin, nous dit qu'il y a 3 jours, il y avait un live d'anniversaire. C'était ton anniversaire, Brigitte? Oui, c'était mon anniversaire. Durori, qui est malin. Bien vu à toi. Bon anniversaire. Merci, merci. Je me sens mal, on n'a pas de cadeau. Qu'est-ce que. Ah, mais je croyais que c'était. C'est le gros paquet là-bas, c'était pas pour moi. Avec les micros là où il y a marqué, il y avait marqué Chour là. Je pensais que c'était pour ma chaîne. Alors l'autocollant si tu veux, mais enfin je suis pas sûr que t'en fasses grand chose. On va trouver. Mais la dernière fois qu'on a dû offrir un cadeau comme ça sur le coup, elle était déçue. Très déçue. Rien me va. Il y a des cœurs. Écoute, il y a des cœurs. Ah, il y a des cœurs. Vous êtes trop mignons. Des vrais cœurs. Des vrais cœurs. Des vrais. Véritables cœurs. On va faire plein de petits jeux. C'est vrai qu'on n'a pas fait de sommaire. Alors je peux peut-être le. Alors, c'est peut-être trop tard pour le faire, mais non, allons-y. On va faire 3 petits jeux. Le premier qu'on a appelé Ripaille d'espion. On aime bien les noms. Parce qu'on a vu que tu avais pas mal joué à Among Us sur ta chaîne Twitch. Donc, tout le monde veut me tuer, donc. C'est ça. Et ben tu vas pouvoir te venger. On a trouvé un jeu un peu différent où le but c'est de trouver un espion dans une soirée et du coup de tuer l'espion. C'est la soirée. Caché parmi les PNJ. Caché, voilà. C'est ça, parmi les personnages non jouables. Ensuite, on va faire ce qu'on appelle le Akina doublage. Alors, c'est un peu une catégorie, j'allais dire culte, mais qu'on a souvent refait. Pour nous, oui. On mélange évidemment un exercice de doublage avec le fait d'essayer de faire deviner quelque chose en même temps. Alors, on te réexpliquera sur le moment, t'inquiète pas. J'en ai vu un extrait. Ah, très bien. Et enfin, le juste dessin. Pareil, on a vu que tu faisais beaucoup de dessins. Je suis extrêmement doué en dessin. Ben... C'est Davy Moyer m'a tout appris.
Bah, il est... on a vu ça. Et du coup, voilà, donc en gros, on réexpliquera sur le moment, mais c'est un petit jeu de dessin, un peu de devinettes et de dessin mélangés. Et voilà, voilà ce qu'on va faire ce soir. Voilà le menu, le programme de la soirée. Super. Et, j'ai pas lu beaucoup le chat, moi. Comment, voilà, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cœur, beaucoup d'amour pour toi, Brigitte, dans le chat. Ouais. Il y a beaucoup d'amour pour moi en général. Mais, Non, mais c'est vrai que c'est incroyable. Mais, on a vu. C'est une communauté extraordinaire. C'est fou. À partir de la seconde à laquelle on t'a annoncé, les gens étaient devenus fous. Même sur le canapé ici, nos colocataires et tout étaient en fire. On a eu des. Oh, le canapé lui-même. Oui, il s'est ouvert, c'est pas vrai, Brigitte. C'est vrai. Non, mais c'est chouette. C'est vachement chouette. Je suis actuellement d'avoir fou. Tous ces gens autour de moi et puis ils sont vachement fidèles, toi. Mmh. Quand on a fait le crowdfunding pour Pipoudou, parce que on pouvait pas le. C'est vrai qu'on pouvait parler de Pipoudou. C'est ce grand écart quand même de carrière quand même. C'est chouette. C'est incroyable. Chouette. Mais grâce à vous, grâce aux gens qui ont grandi avec moi, qui sont plus intelligents que. Que les chaînes de télévision qui te mettent dans une boîte et qui ne veulent jamais t'en sortir. Mais ça, mais j'ai l'impression qu'au contraire, du coup, effectivement, la génération dont on fait partie, qui a grandi avec toi, prend un malin plaisir à te mettre à contre-emploi. Bah, c'est Il y a Cyprien aussi qui est admis dans les valeurs. Voilà, un petit facho. Un petit facho. On aime bien te mettre vraiment pour souiller un peu l'enfance des gens. Mais effectivement, pour toi, c'est intéressant. Ça permet d'explorer aussi autre dans chose. Le petit lapin qui le représente. Donc, oui. C'est un peu d'amour tout ça. C'est ça. Et effectivement, Pipoudou que je ne connaissais pas, que j'ai découvert. Ah, oui. Et qui effectivement, on voulait mettre un extrait, mais ça aurait été trop cool. Voilà, on peut vraiment mettre un extrait à part une image en fixe. Il y a la petite mort. Ah oui, la petite mort, la petite mort, la petite mort de Davy. Oui, parce que c'est pareil, c'est, on s'est connus en convention avec Davy, tu vois, et puis il faisait sa BD, et puis il vendait sa BD, puis on s'entend bien, et puis il me dit, tu sais, moi quand je dessinais, quand j'étais môme, moi j'arrêtais pas de dessiner des Goku, et c'est comme ça que j'ai dessiné, j'ai appris à dessiner. Et en fait, les profs, ils me déchiraient mes cahiers et tout ça en disant que ça mènera à rien de dessiner des trucs de manga et tout ça. Et ça l'a mené à rien, et en effet. et puis il me dit, ça me ferait tellement plaisir si un jour... Mais toi, c'était complètement hypothétique. Hein. Si un jour c'était fait en dessin animé, que ce soit toi la voix, tu voudrais. Je fais, mais comment je voudrais? Oui, génial, ouais. J'exige. Et 2 ans après, il m'appelle, il me fait « Tu ne devineras jamais. La petite mort est mise en dessin animé. » Super, bien, génial. Ouais, voilà. Très bon dessin animé qui a beaucoup marché aussi sur YouTube. Que j'adore, aussi, mais vraiment, ouais, j'espère qu'il va y avoir des suites et plein de suites. Des vies qu'on salue, parce qu'on ne fait plus assez de Drucker. Parce qu'on a remarqué qu'on était un peu salut. Les Drucker de Twitch. C'est ça. On adore tout le monde. Donc on salue les filles. J'ai vu que vous aviez Marcus aussi. Oui, on l'adore, Marcus. On va le recevoir dans 2 semaines. Donc. Il y a J. Colter32 qui dit « Plus de 30 ans à entendre cette voix, un vrai plaisir à chaque fois. » Voilà. Je crois qu'il résume un peu tout ce qui est en train de se passer dans le chat. Là, tout le monde est très heureux. Oh, donc, merci. Est-ce qu'on tue des espions du coup? Allez, c'est on parti. Va tuer des espions. Alors on va tuer. Ah, oh, moi j'adore Allez. Tuer. Alors, d'ailleurs, il y a plus de chances qu'on tue des malheureusement des non-victimes, enfin des victimes. Parce que quand tu te trompes, tu tues quelqu'un qui n'a rien demandé. C'est le problème D'accord. de ce jeu-là. Ouais, en fait, c'est ça. Il y a une soirée un petit peu mondaine. Et tu vas devoir. On va commencer comme ça. On va commencer par Brigitte Sniper. On est d'accord. Oui. Donc tu seras Sniper. Et il y aura des convives. On va mettre un autre ordinateur dans le coin ici, discrètement dissimulé. Ça sera soit moi, soit Valentin qui va jouer donc la personne infiltrée, l'espion. Et toi, tu vas devoir désinguer cet espion. Ah, ça y est, je me prends des décharges électriques. Parce qu'on peut le dire. Tout l'après-midi, Julien et Stéphane se sont pris mais des éclairs de Thor dans les boosts. Mais ça, c'est le côté Dragon Ball de Brigitte. Ça, il y a un Kamehameha. Il y a eu une charge. À l'avance, hein, à l'avance. Donc, ça y est, je commence là. Donc, oui, tu veux que je. On va peut-être inverser, ouais, je vais me mettre sur l'autre ordinateur. On va ça y est, que ça commence. Ah, c'est les chaises musicales. Je sens que vraiment. C'est les chaises musicales, ouais, c'est parti. Alors, j'étais très bien où j'étais. Ah mince, c'est la même chaise. C'est la même chaise. Bon, ça va. Tu as une manette ici. Oh, une manette ici. Tu peux te saisir. Ouais. Et on va attendre un peu que Julien. Tu es en panique. Te rejoigne. Alors. Et jouer l'un contre l'autre. Bon, s'il y a une question pour Brigitte, c'est ce que j'allais dire. Pendant ce petit temps d'installation, s'il y a des questions, n'hésitez pas. On peut peut-être parler de tes projets à venir aussi. Si tu veux, si tu en as. Il y a toujours plein de projets. Au niveau de ma chaîne YouTube et tout ça, on a plein d'envies. Après, en ce moment, c'est hyper difficile de tourner. Oui. Et voilà, on essaie tant bien que mal de faire ça. Après, je suis sur des dessins animés français de création. Mm-hmm.
Alors, le problème, c'est que toi, dans les années 80, je pouvais te dire « Ouais, je fais ça, 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 c'est super. » Aujourd'hui, je peux pas. Toi, je viens de faire un jeu vidéo, je peux pas t'en parler. Il est génial. Ah oui. Avant, tu pouvais en parler plus facilement. Mais bien sûr. Hmm. Bah, c'est les clauses comme ça de... Elles sont arrivées tardivement. Et à nous, hors antenne, juste après l'émission. Eh ben non. Ah. Et si nous, on te dit des petits trucs secrets aussi. Oui, pourquoi on fait cette émission, à ton avis, Brigitte? Faudra voir, je vous laisserai les dire, mais moi, je ne vous dirai rien. Bravo. Et si tu nous dis des trucs faux au milieu de trucs vrais? Ah oui, ça, ça, j'adorerais. De toute façon, on dévoilera tout, que ce soit faux ou vrai. Alors, dis-moi, qu'est-ce que je dois alors, faire? Comment j'attends, je dois faire? Je prends mon temps. Ouais. Tout, ce sera tout simplement ça pour te déplacer. Et si tu repères l'espion, je zingue tu, avec tu ça. Cliqueras là-dessus et tu passeras en visée et tu pourras tirer sur l'espion. D'accord. Et sinon, tant que tu n'appuies pas là-dessus, tu peux... alors, c'est la même chose des deux côtés, mais tu peux... comment rendre invisible ou pas des personnages. Si, tu vas voir, il y a plein de joueurs, enfin plein de personnages. Si tu dis eux, c'est sûr, c'est pas les espions, tu peux les marquer. Les griser, ouais. Les griser pour pas te. Comme te si tu mets un. Et tu les grises avec ça. Ouais, c'est l'autre, je crois. Ah, c'est les deux. D'accord. C'est un des deux. Non, je crois que c'est. Je crois que c'est mais tu voulais. Griser, dégriser. Exactement. Ouais, ah, c'est d'accord. Griser, dégriser. Ah, ouais, ouais. C'est un petit peu comme mettre un petit drapeau pour te souvenir que celui-ci, tu l'avais bien observé. C'est ce que j'ai déjà. Comme au démineur, quand tu dis là-dessus, il y a une mine. Pour prendre un exemple de Windows 95. C'est magnifique, démineur. Est-ce que tu peux nous faire un petit point rapide, instant gaming, Valentin, le temps que je finisse de configurer tout ça? Bien sûr, instant gaming qui nous sponsorise. Vous pouvez aller sur il y a un giveaway, tu tout à fait, le giveaway sur le navigateur si tu alors veux. Attends, tout est préparé, les amis. Vous pouvez gagner un jeu, comme maintenant ceux qui suivent l'émission depuis le début de la saison sont au courant, enfin depuis quasiment le début de la saison. Il y a un giveaway, il reste 10 jours pour participer. Vous mettez le jeu de votre choix et vous pouvez repartir avec ces cadeaux. Il y a déjà eu un gagnant le mois dernier, c'est magnifique. Donc n'hésitez pas. Voilà, il reste 10 jours, il y a plein de jeux. C'est par exemple, vous voulez Far Cry, hop. Je sais pas écrire Far Cry. Ouais, t'es en QWERTY, c'est pour ça. Far Cry, il y est à 12 balles. Prenez un jeu cher, c'est ce qu'on conseille à chaque fois. Far Cry 5, 12 balles, ça vaut le coup quand même. Ouais, mais du coup, bah, non, mais là, vu que c'est gagné, faut prenez des jeux chers, moi, c'est ce que je conseille à chaque fois. Ah, mettez oui. des jeux à 50 balles, quitte à gagner un truc, pas gagner un truc qui vaut cher. Je suis prêt, tu peux mettre le petit lobby. Est-ce qu'on se met pas en plein écran? Je crois qu'un petit command F ou pomme bon, F. Écoute, pomme entrée. Pomme, je n'ai pas de enfin, pardon, Windows entrée. Alt entrée. Alt. Non, j'étais en plein écran. Ah, c'est voilà. Parfait. Le petit play et c'est parti. Allez, donc tu vas pouvoir rejoindre mon petit serveur. Alors, je vais te. Enfin, toi, tu vas m'inviter plutôt. Ah, d'accord. Il y a des gens qui t'invitent des fois, c'est comme ça. Alors, le jeu est en bêta, en là, early access, comme on dit. Invité, ouais. Donc, ouais, ça laisse encore un peu à désirer des fois en design, mais ça marche plutôt bien. Et c'est assez rigolo, vous allez voir. Et on peut, donc, on peut jouer à plusieurs ou on peut jouer qu'à deux? Je crois que c'est que à deux. Pour le moment, c'est d'accord. que à deux, ouais. Ouais, ouais. Donc là, tu joues l'espion. Moi, je ne regarde plus. Voilà. Julien ne regarde pas et a un casque pour ne pas nous entendre. Et on va essayer de discuter. Ah, elle joue l'espion un peu bas. Donc, elle va non, le sniper. Le sniper, pardon. Ok. Et on a juste à attendre Julien là. Il va choisir. En fait, là, Julien est en train de choisir son personnage et tous les personnages qui vont être dans la pièce avec lui. D'accord. Et il a des missions à faire. Donc, regarde, il a contacté un agent double. Non, il est en train de les supprimer. Je décoche. Ouais. Je ne sais pas ce que je choisis. Vous préférez quoi? Non, on peut en choisir dans trois. C'est dur la target, j'aime bien. Swap Statue et Bug. On c'est quoi Bug Ambassador? Allez, je mets ça. Tu vas m'aider? Ouais. Donc en gros, voilà. Là, il va devoir voler une statue. Non, échanger une statue, ouais. Séduire une cible, contacter l'agent double. Et je ne sais pas ce que ça veut dire Bug Ambassador. Tu mais... sais quoi, je vais l'enlever du coup, si voilà. Je ne sais pas. ça m'arrange. Voilà. Ah, mais pourquoi je ne peux pas. Pour moi, c'est un ambassadeur Bug, c'est une bestiole. Ouais, c'est ça. Ah, en fait, je suis obligé d'en cocher 4, c'est pour ça en fait. D'accord. Bon, laisse Bug Ambassador. Bug, ça, on devinera. Tu vas mettre un insecte sur un ambassadeur. Ça va pas être facile, mais je t'en prie. Du coup, je ne vois rien. C'est un ambassadeur qui est un insecte. C'est ça. Si on voit un ambassadeur avec des antennes, c'est lui. Et qui, voilà. Moi seul maintenant, c'est qui je suis dans cette party, dans cette soirée. Vous allez devoir essayer de me désinguer. Tu vas voir. Tu vas voir ce que tu vas voir. Donc voilà, putain. Donc là, tu peux te déplacer de gauche à droite. Et tu peux te rapprocher. Ah d'accord. Voilà. Et là, on peut chercher, je vais baisser un petit peu, à savoir qui est Julien. Donc voilà, il faut observer un petit peu les gens s'il y a un comportement étrange. On a dit quoi? Changer une statue, contacter l'agent double. Ouais. Alors là, il y a des gens qui contactent, par là. Il y en a un qui, est, très, qui se planque, là. Ouais, là. Il est louche avec les statues, lui, non? On va peut-être le surveiller un petit peu, lui. Une belle dame. Je le surveille du coin de l'œil. Ouais, je continue de regarder. Tiens, ouais.
Où est-ce qu'il va? Il regarde l'heure. Facile. Par exemple, on peut peut-être le marquer. Si tu vas sur lui... il va vite. Et là, si tu fais... Ah oui, le truc, attends. Putain. Voilà, et là. Comme ça, au moins, tu sais, sinon, on va le surveiller un petit peu. Attends, pour le moment, il a... Ouais, non, mais en fait, du coup, ça le grise. Hein. Oui, ça le grise. Regarde oui. L'autre, la fille, là, tout, regarde. Ouf, moi, bah, c'est... Est-ce qu'elle aurait pas... Bah, regarde, tu peux regarder. Pour le moment, les statues n'ont pas été changées. Si les statues elle les observe. Voilà, là, si les statues changent au-dessus, c'est que c'est lui. Ouh, non, toujours pas. Il y a le monsieur au turban. Il y a beaucoup de convoitises autour de ces statues. Hein. Ouais, ouais. Il reste 1 minute 30, mais il n'a encore rien fait. Et elle n'a pas repris la statue, non. Ah, ou alors. Attends, l'autre, il s'en va là. Ça nous dit peut-être pas s'il a réussi ou pas. Ah. Ah, il y a des statues des deux côtés. Ah, merde. Ah, ouais. Là, ils sont toujours. Il est où celui qu'on avait noirci? Du coup, je vais voir. Ah, oui, il est là. Il est là. Ouais. On peut peut-être le dénoircir. Alors, ça, voilà. Pas facile. Elle là. C'est pas malin. Hein. Ça fait deux fois là. Ça fait deux fois qu'elle y va, mais. Ouais, il reste 1 minute. Ouais, mais il y a peut-être pas que. On a focalisé sur la. Je suis pas loin de gagner si vous voulez un indice. Hein. Ah, donc ça nous dit pas quand tu finis une mission? Ah bah faut. Bah faut décider sur quelqu'un. Moi je. De toute façon. Il y a pas de statue qui a été volée de toute façon. Non mais ils ont été échangés. Tu dirais la nana ou... C'est pas la nana, elle est encore là depuis longtemps. Il vient de nous dire que ouais. C'était qui l'autre qui est passé avec le turban là? Le mec là. Ouais, ouais, moi je dirais lui. Tu veux? Allez, vas-y. Il reste 20 secondes. Merde, j'arrive pas à aller dessus. Et là, voilà. Tu t'appuies sur... sur lui. Non, sur celui-là, sur le joystick. Ah, c'est sur celui-là. Voilà, et là tu tiens. Comme ça? Avec la gâchette. Oh! Ah! Oh non, on a perdu. Ah oui! Alors, c'était qui? Allez, on peut débriefer. J'étais Tina Turner. c'était... Ouais. Est-ce qu'on l'a vu, nous? Alors, est-ce que vous avez des doutes sur Tina Turner? Non, pas du tout. Absolument pas, on l'a pas, absolument pas vu. Je suis fier de moi, j'étais à ça de gagner... T'as fait quoi, alors? T'as fait quoi comme mission? Alors, j'ai Bug l'ambassadeur. Alors, c'est quoi Bug l'ambassadeur? Pour les bilingues, ils vont nous le dire parce que je... je l'ai fait. C'est magnifique. Je l'ai fait. J'ai contacté l'agent double discrètement. Ça a été fait. Ouais, c'était facile parce qu'il n'y a eu que des réunions. Et je vous entendais parler des statues. Je pense que j'ai été assez malin. Je l'ai fait au tout début. Ah. Vous étiez sûrement sur autre chose. J'ai changé de statut. Et l'erreur qu'on a faite, c'est un peu de ma faute, c'est qu'au-dessus, on a la liste et je pensais qu'elle se complétait quand tu le faisais. Et donc, c'était jamais... Ah non, c'est pour ça que je vous ai dit à un moment donné, j'ai presque gagné. C'est ça. Et comme je ne voyais pas les statues, je me suis dit, bon, ben, c'est toujours pas fait. Non. Ouais. Est-ce qu'il y en avait dans le chat qui avait trouvé que j'étais donc la dame avec la coupe afro? Oui. Et il me restait, j'avais quasiment gagné. On l'a pas vu. Et séduire la target, enfin séduire le... Donc c'était un monsieur, je crois. C'était pas facile parce qu'il faut s'y reprendre à plusieurs fois. Et ça, j'ai cru que j'allais me faire griller. Parce qu'en fait, il faut aller voir, discuter un petit peu, puis après revenir, puis après discuter. Et là, je me suis dit, je vais te faire griller. On va prendre un petit œil. Ah, tu veux une petite... Pas mal, bien sûr. Et sur l'écran pour que les gens voient. Sur mon écran. Juste faire un petit... Oh oui. On nous traduit dans le chat, Bug l'ambassadeur, c'est lui mettre un mouchard. Voilà, Bug le petit mouchard. Ah, mais c'est ça, j'ai vu, elle a mis effectivement un truc... Tu vas me dire, attends, parce que... Et alors, mais comment t'as mis le mouchard? Elle a fait un truc un peu en scred, effectivement, bizarre. Ouais. Oula, ça c'est... Ouais. Elle est bien ta caméra, dis c'est donc. C'est pas dingue. Ah bah dis donc. Oh, ça permettra de voir. C'est juste pour voir un petit peu, parce que c'est vrai que c'est un petit peu frustrant de m'avoir. À l'ancienne, regarde-moi ça. Ah, très très bien. À l'ancienne. Non, mais on pourra effectivement voir un petit peu ce qui se passe, t'as raison. Alors, on peut la refaire où cette fois tu es un espion. Tu veux pas qu'on fasse comme ça, maintenant qu'on a bien compris? Ah oui, on en fait une comme ça, ouais. Allez, on s'en fout. Attends, faut que je refasse parce que ça m'a relancé automatiquement. Julien, toi, oui. Comment faut que je fasse John Game. Non, comment je peux changer parce que là, je suis forcément un espion. Ah, parce que tu as déjà sélectionné, sinon on fait cancel, non? Je pense. Bon, bah écoute. Fait cancel. Ouais, on va se réinviter.
Cancel. Est-ce qu'il y a des gens qui avaient trouvé? Faut que tu me... Ouais, c'est ça. Tu me rejoignes, je pense. Je sais pas si on pouvait trouver, parce qu'on l'a vraiment pas beaucoup vu dans notre champ de vision. On l'a jamais vu. Les gens l'avaient ou pas? Ah, bah je crois que c'est bon, match menu, ouais, c'est ça. Moi, c'est à moi de décider, sinon c'est à moi de décider. Ah bon? Non? Vas-y. Ah, si, je suis plus avec toi, si? Peut-être pas, attends, tu sais quoi, on va faire end match, on va reprendre. Ils vont jouer tout ça. Ah oui, non, c'est on était avec toi. Bon. Ah bon, bah, relançons. Les gens l'avaient pas du tout. Pardon. Road to 1000 subs. J'ai vu qu'il y avait des subs, merci beaucoup, ça fait plaisir. Les 1000 subs, hein, le Askip en live. C'est attention. Bon. C'est bon? Ah, tu m'as invité? Ok, j'accepte. J'ai fait une fixette sur Mimi Mati. C'est reparti. Donc, évidemment, attention, je ne serai pas deux fois Tina Turner. Enfin, il y a peu de chance. Alors, retente le sniper. Oh, c'est dommage parce que du coup, on l'aurait deviné tout de suite. Alors, on va changer. Oui, il nous dit peut-être ça pour nous piéger. Ah ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Non, je vais pas reprendre ma main. On va se mettre sur le balcon, ça a l'air un peu plus petit. Sur le balcon. Ouais. Donc, comme ça, tu veux, comme tu veux. On dirait le balcon dans Friends. Est-ce que vous voulez dire? Je vais vous mettre un monsieur avec un chapeau. Ouais. Il y a Elisabeth II aussi, j'aime bien. Choisis qui tu veux. Fais-toi plaisir. Bah, je peux pas choisir la personne que je joue. Et là, visiblement, il n'y a que trois targets. Il y a Bug Ambassador, Contact Double Agent et Seduce Target. Donc ça peut aller plus vite. J'ai envie de dire attention. C'est quoi Seduce Target? On voit un petit peu ou pas? Il va séduire quelqu'un, contacter un agent double. Ah ouais, alors là, c'est fin, il faut être. Et voilà. Et Bug un Ambassador, une nouvelle fois de plus, j'allais dire. Le balcon est petit. Ah oui, c'est tout petit. Ouais, c'est tout petit, mais. Alors lui, il discute. Ah oui, c'est vraiment petit, là. Alors attends, on a dit quoi? Alors lui. L'ambassadeur et séduire quelqu'un, ça. Lui, il a. Lui, regarde. Il y a. Machin. Ces mecs avec ce chapeau de cow-boy me remplit de joie. Ouais. Oula, le mec turban, avec le turban, il va faire pipi dans un coin. Ouais. Ils regardent sa montre, ils regardent tous leur montre. Ils ont l'air de s'ennuyer à cette soirée. Tout le monde tourne le dos, oui. Alors, faut trouver quelqu'un. C'est beaucoup de choses où il faut parler. T'as vu, contacter, séduire, faut trouver quelqu'un qui parle. Et pour l'instant, il y a le cowboy qui n'arrête pas de parler. Peut-être que là, ils parlent entre eux. Et alors, tu vois, on peut savoir lui, qui est début, qui. Lui, au début, il parlait. Il a un petit triangle violet, le blond. Et je crois que si tu vas sur lui. Ah mince. Il va te dire si c'est un. Non. Voilà. Tu vois, tu sais si c'est l'ambassadeur. Voilà, lui c'est l'ambassadeur. Ah yes. Ah, donc c'est lui qui. Donc quelqu'un. Qui est-ce qui lui a parlé au blond? Ben il y a. Oh le turban. Le turban hein, qui est arrivé de tal. Oh mince. Ouais. Alors. Qu'est-ce qu'on fait? Et la cible, on sait qui c'est? Non, on sait pas là. L'agent double, les petits triangles gris, est-ce qu'ils te disent si c'est un agent double? Non, c'est pas qui sont. Waiter. Allez, 20 secondes, 20 secondes. Moi, je dirais que c'est lui, non? Allez, vas-y. Encore? Ouais. Maintenant, c'est pas elle. Merde. Ah, on va tirer dans l'arène. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Pourquoi j'arrive pas à revenir en arrière? Comme ça, voilà. Non, regarde, j'y arrive pas. Ah. C'est lui, là. Vas-y. Oh non, on venait de tirer. Non, c'est pas lui. On a hésité. J'ai gagné, on est d'accord? Oui. Ah oui. Et t'étais qui? J'étais ce monsieur-là. Le petit jeune. Emmanuel Macron. De loin, il ressemble. Bon, alors pareil, on l'a pas vu. Vous avez pas pu tirer là, si? Non, on n'a pas eu le temps. Non, venait de tirer, non, là, en enfin, fait, là, ça. J'étais en train de tout finir là. Ça a été. Comment je vais dire. Ça a focalisé sur la scène. Regarde, et en fait, on n'arrivait pas à se défaire. Là, tu revois tout, là, je crois. Tu peux avancer? Ouais, on peut voir le replay. Donc lui voilà. Je suis resté très longtemps au début, ouais. Après, j'ai regardé ma montre plusieurs fois. Voilà. Ah oui. Et après, là, je suis passé à travers le monsieur plein de fois. Parce que vous lui. Dû voir. Je suis passé à travers lui. Je galérais. Il arrêtait pas de changer d'endroit. Je voulais prendre un verre pour faire genre. Et en fait, c'était une tannée. Oui. Ah, mais en fait, parce qu'on était focalisé sur lui. En fait, comme on a repéré que le blond était l'ambassadeur, on s'est dit, bon, on va regarder qui parle à l'ambassadeur. Et en fait, c'est pareil. T'as commencé par ça. Ok. Vous voulez qu'on fasse l'inverse? Ouais, c'est. Allez, je vais essayer de vous coincer. Il y en a qui avaient trouvé ou pas dans le chat? Voilà. Le serveur était très près de l'ambassadeur. Non, mais le serveur, moi, je suis passé à travers lui. Il se barrait à chaque fois que je voulais prendre un verre. Je voulais te donner une petite contenance, tu vois. Parce qu'en fait, tu vois, tu as un verre, tu peux après prendre des petites gorgées. On s'est demandé ça. Si le serveur jouait pas un rôle en même temps, nous. Parce qu'on a été. On est trop subtil. Est-ce que tu veux, Valentin, passer au gaming? Parce qu'en plus, moi, j'ai bien compris comment ça fonctionne. Ouais, d'accord. Oui, en cachet, comme ça. Oui. Ah oui, je vais t'expliquer un petit peu les astuces pour gagner, du coup. Ouais. Viens me faire gagner. Alors,
T'as vu comme quoi les gens avaient trouvé ou pas quoi, bah, ils avaient ton retour. Ah bah oui, je suis bête. Mais j'ai laissé une petite un petit peu de suspense, un petit peu de suspense et puis après. Ouais. Mais c'est mieux de savoir en fait. Ouais, ok. Bah, moment, écoute, on va jouer de ce côté-là ce coup-ci. Tu vas voir déjà premier petit tips, Brigitte. Ouais. Tu n'es pas obligé de jouer ton personnage tout de suite. Au début, tu peux n'appuyer sur rien et puis bah il se comporte comme un PNJ. Donc tu peux gagner un petit peu de temps comme ça déjà il aura un doute là-dessus. Alors évidemment Valentin tu ne triches pas puisque tu as le retour ici. Ouais, évidemment je vais le faire. Peut-être sinon on lui enlève le retour écran peut-être Stéphane. Ouais, il vaut mieux. T'as dit quoi ? Non rien. En fait il y a un manque de confiance. Oui certain. Bah, c'est bien. C'est ça ils me font jamais confiance. On a trouvé avec ta vue et oui j'avais pas le effectivement j'avais pas l'info. C'est toi qui règle encore le... Non, c'est à vous de lancer. Ah oui, c'est à nous du coup de régler. Est-ce qu'on prend pas une autre carte? Tu peux aller voir là, tout en haut. Irise, c'est pas le premier qu'on a fait. Courtyard, je crois qu'on l'a pas fait, Courtyard. Ok. Ouais, vas-y, tu peux sélectionner, ouais, celle-ci. Avec croix. Ah bah oui, avec la souris, ça marche sinon. Ouais, ah bah, c'est quoi, ouais. je vais te le configurer directement. Courtyard. Ouais. Si on veut, on peut choisir les petits personnages. Si on veut enlever... Lui, moi, je l'aime bien, lui. Ouais, ouais. Ah, on peut choisir que l'agent double, c'est quelqu'un d'autre, d'accord. Après, j'aime bien le petit casting qu'on a là. Moi aussi. Peut-être partir là-dessus. Je te laisse les 4, hein. on va essayer de faire les 4. La même chose. Allez, c'est parti. On ne regarde pas, Valentin. Je suis trop petit, je suis dans l'axe du micro, je ne vois pas ce que tu vas faire. Ah, c'est impeccable. C'est bien, ouais. Ah, c'est très bien. Alors du coup, au début, tu vois, si tu appuies sur rien, voilà, elle se déplace toute seule, tu vois. Il faut chuchoter parce qu'il est à côté. Il ou elle, on ne sait pas, se déplace, hein. Et là, tu as les objectifs en haut à gauche qu'il faudra remplir et le séduire la target, ça se fait en plusieurs fois, comme je te disais, c'est ça qui est pas évident. Alors, voilà, coupe. Là, tu peux, quand tu appuies ici, ouais, tu prends le contrôle ici là, ouais, voilà. D'accord. Voilà, voilà. Et là maintenant, tu voilà, comporte-toi comme un robot, Brigitte. Sois discrète. Là, tu vois, tu peux discuter. Et ensuite, en bas, t'as les fonctions, tu vois. T'appuies sur rond pour discuter ou croix pour parler. Bon, là, t'es un peu grillée, Brigitte. T'es un peu grillée, Brigitte. N'hésite pas à te déplacer. Et j'ai peur qu'ils nous entendent, le bougre, en fait. J'ose pas trop donner de conseils. Ça, c'est pas mal, ça. Ça, c'est pas mal. Ouais. Oh, c'est bien, ça. C'est bien. Ah, je crois que t'es pas allé au bout. Il faut aller au bout de la... Tu vois, il y a un petit cercle en dessous de toi. Il faut que ça aille au bout. Voilà, refais le... Ça, c'était bien, là, le rond, là. Ouais, ça, c'est bien, ça. Voilà, là, on est bien, là, on est bien. Continue. Fais comme si de rien n'était. Tout se passe très bien, là. C'est ça. Tu veux t'arrêter ça. T'appuies sur quoi? Tu peux regarder ta montre un peu, si tu veux. Quand on continue, la montre. Ouais, il faut pas être devant des gens. Mais là, tu peux discuter, sinon, tranquillou. Oh là, t'es au milieu, Brigitte, t'es au milieu des gens. Mais non, mais c'est pas le genre. Ça c'est bien ça. Pas mal ça. Alors le laser est là, on le voit le laser. Hein. Le laser est pas loin. Professeur Xavier, rentre pas dans Professeur Xavier, Brigitte. Professeur Xavier, prends un verre. Tu peux prendre un verre au serveur. Ce réflexe de ninja. Et t'as vu ça un peu? Waouh. Je devrais jouer moi-même dans Dragon Ball. Ah, et les oreilles. Ça c'est bien tenté ça. Ouais, vas-y, tu peux. Ouais. C'est bon pour les. Non, c'est pas bon, je crois. Oh là là, j'ai un peu peur pour toi, Brigitte. Ouais. Attends. Regarde ta montre, Brigitte. Regarde ta montre. Je sais pas comment tu fais, regarde. Il faut que tu te mettes dans un endroit. Aïe, aïe, aïe. C'était sur nous, ça, non? Ah. Oh non! T'as raté, tu voulais viser. Non, j'ai pas vu que c'était elle. C'est vrai? Ouais. Oh là là, j'ai eu peur. Oh bravo. Ah ouais, non, j'ai... C'est pas grâce à moi que t'as pas fait. Je me suis tout tapé. Alors il me dit, regarde ta montre, mais je sais pas comment on regarde la montre. Alors en fait, ouais, t'étais toujours à côté de gens, il faut que tu t'arrêtes dans un endroit où il y a personne, et là t'as des options tout seul, boire un verre. D'accord. Mais là tu parlais à des gens, mais ça marchait aussi, tu parlais à des gens. Mais j'ai pas arrêté de parler à des gens. Ah oui, attends, elle est rentrée dans les cercles. Normalement, tu n'as pas rentré dans le cercle de la parole. Elle était tout le temps en face des gens comme ça. Je l'ai pas trop vu, et j'ai eu un petit doute sur les statues quand j'ai vu. Ah oui, les statues, on a galéré. Comment t'as fait pour échanger les statues? Ah bah moi j'avais parce qu'on n'arrivait pas, j'arrivais pas à le faire.
Ah ouais, je crois que c'est directement swap. Je crois qu'il te propose directement de swap. Et bah non, enfin, il te dit d'abord tech statue, je crois, et après swap statue. Ah ouais, bah... Et donc pour, tu réinverses les deux, quoi. Qui ne sert à rien d'ailleurs. Espion à la con. La fille est vachement, la fille vachement douée avec une manette. Non, attends, c'était bien. J'ai eu un doute sur le gars. C'est le gars en fauteuil roulant que j'ai tué. Parce qu'il vraiment, il s'est déplacé très bizarrement sur la fin. Et donc j'ai fait, bah c'est assez fort. Mais oui, parce qu'en plus, il te disait, t'as vu, arrête. Et parce que je pense qu'on l'a croisé et c'est pas lui qui se comportait bizarrement, c'est de nous. Je pense que t'as mal vu le. Parce qu'on lui est rentré dedans à moitié. Peut-être qu'il a essayé de m'éviter. Il a essayé de m'éviter en fait. Il y a une folle qui vient sur moi. C'était pas mal, j'avoue, c'était pas mal. Les gens se sont bien marrés visiblement. Il y a quelqu'un qui nous regarde depuis la Thaïlande. Oh, superbe. Je suis votre viewer le plus lointain. Et si oui, je. Ah bah là, je pense que si quelqu'un a mieux dans le chat, vous le dites, mais. Alors que gagne. Les cadeaux ici, Fiaskip, faut pas trop. Voilà. Ouais, non, tu préfères pas en avoir. Va sur Instant Gaming, trouve un giveaway, ce sera ton meilleur cadeau. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai envie de rejouer, mais est-ce qu'on a le temps? C'est vrai qu'on a encore pas mal de choses. Peut-être pas, qu'est-ce qu'on en pense? Je sais pas. Brigitte, est-ce que tu veux en refaire Oui. Ou... Oh, on peut, allez, soyons fous, allez, maintenant que j'ai compris. Ouais, on refait comme ça, c'est sympa quand tu. Ouais, vas-y. Faut faire back to. Alors, je vais faire. On peut pas faire play again directement? Ah non, parce que sinon. Je vais revenir. Tout de suite. Ok. Ah oui, d'accord. Oui, oui. Ah ouais. Voilà. Et moi là j'ai mis. Voilà, c'est bon. Ok. Est-ce qu'il y a. Du coup, on a fait les 4, j'ai l'impression là, non? Ah non, on a fait 3 parties. Laquelle on n'a pas faite? Celle-là? La ballroom? Celle-là, on l'a pas faite. La ballroom? Ouais. Ok. Comment t'as dit la ballroom? La ballroom. La ballroom. Qui est une. La salle des balles. C'est ah, côté, la ballroom. Ouais, ouais, ballroom. Ouais. Pourtant, il n'y a pas de billard, c'est bizarre. Ah, du coup, ouais. Écoute, on a Durerie au Danemark. Oh, je regarde les pays. Depuis tout ce temps, tu es au Danemark. C'est incroyable. Et j'ai vu Lille aussi. Toi, il y a des gens. Regarde Palpa, il reconnaît que je suis une pro-gameuse. C'est vrai. Et vient jouer sur ma chaîne souvent. Et il a remarqué que j'étais hyper, hyper forte. Ça va, tu nous entendais pas trop parce que quelquefois j'avais du mal à comprendre mes émotions. Non, le casque il est. Ah ouais, ouais, c'est vrai. Bon, tant mieux. Oui, parce que du coup, on n'osait pas se parler. Mais c'est. Comment pour le son, Stéphane d'ailleurs. J'ai marmonné un peu plus du coup, mais je voulais que ça reste un petit peu secret. Quoi. Mais non, ça allait, c'est le petit coup de ninja qui a fait. Il y a le Canada, vous avez fait. Oui, mais j'ai eu peur de se griller là-dessus. À un moment donné, le laser est passé sur nous. Juste. J'ai fait. Ah, j'ai eu peur. Ouais, j'ai un peu. Sur les statues, j'ai eu un petit doute sur la. Oui, exactement. Là, j'ai cru que c'était fini pour moi et Brigitte. Ouais, là on a eu du mal. Hein. C'est vrai qu'on a eu du mal. Aussi, très dur. On a du canapé aussi. Il me regarde depuis son canapé, il fait peur. Du canapé, oui. De on est parti, il faut que tu valides. Et puis c'est parti. Eh ben, avec plaisir. Est-ce qu'on aime ce setup Schlag avec la. Ça marche pas. La GoPro. Excellent. Moi j'adore. Ça d'une main de maître. Ok. Non, tu connais les bails, Brigitte. Hein, elle se met dans le personnage en plus, c'est bien. La, la, la. J'entends chanter par contre. Aïe 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 aïe. Elisabeth II qui est là. Bon, c'est pas discret. On se croirait dans la scène des bains turcs de la Grande Vadrouille. Ça tryhard là par contre, je veux pas dire Brigitte, mais là tu nous régales. Hein. Là, une fois qu'on a compris Brigitte, effectivement, ça déconne plus. Hein. Après, je vais faire comme le mec qui vous a écrit une chanson. Julian Jocelyn, Camembert. Oh là, mais ça c'est du frog gaming là. Rosemary, Masmorey. Oh là là, regarde ta montre. Tu peux lui demander des vers si tu veux. Oh là. Vous êtes très proche, hein. Vous êtes très proche quand même. C'est pas mal, on est à mi-chemin. C'est pas mal. Tu peux regarder ta montre si tu veux. Tu peux demander un verre, il va venir. Tu ne fais plus rien, Brigitte, tu ne fais plus rien. Tu étais très bien parti. C'est pas mal. Faut rester appuyé, non? Ah non? Non, c'est un peu dur, c'est un peu dur ce qui se passe. Je crois en toi, Pourquoi on parle comme ça d'un coup? Non, c'est pas mal. Si, c'était bien, faut rester appuyé, c'est bien. Ouais, encore, c'est sûr. Là, rappuie et reste appuyé. Mais reviens.
C'est devenu une Sims. Elle est devenue une Sims, Brigitte. Ah, c'est bon, je vais faire deux. Ça marche pas. Tiens, madame de demain. On part sur le, sinon l'autre objectif. Je te comprends plus moi-même, Brigitte. Je te comprends plus. Pas mal. Il doute, hein, il a pas encore tiré, donc c'est bien. Pour l'instant, on est bien. Ouais, on a combien de pourcents ? C'est pas si mal. Il faut encore un peu faire, mais c'est pas mal. Ah, c'est peut-être celle-ci, c'est peut-être celle-là. Il y a d'autres statues, moi j'ai dit, c'est peut-être ça. Mais... En fait, je crois qu'il faut que tu la prennes là-bas et que tu l'emmènes. Ah bah, elle a été prise là-bas, il y a quelqu'un qui prend les statues. Quoi ? Je crois qu'il faut que tu prennes les statues et que tu les emmènes là, non ? Ouais, tu crois pas ? C'est pas ça ? Pourquoi c'est pas comme avant ? C'est tellement discret ce que pourquoi je fais. Pourquoi c'est pas comme avant ? Si, c'est pas mal, je comprends pas. Regarde. Ah, là, tu l'as. Pick up ? Ouais. Ouais. Bah, ça y est. Et alors ? Ah ! Oh, c'est pas nous. Je crois que c'est pas nous. Oh, oh oui, c'est pas nous. Heureusement, parce qu'on avait du mal. Mais j'ai rien compris pour la statue. Oui, la statue, là, je suis d'accord, c'était bizarre. Ah, t'es d'accord ? Ouais, non, je suis d'accord. Mais je pense qu'en fait, il y avait ce coup-ci deux endroits où il y avait des statues. Il fallait, en fait. Bon. J'ai pas du tout. En fait, bah, Stéphane était moi, j'ai suspecté quelqu'un très longtemps. Et je pense que c'est le c'était problème. C'était qui ? Alors, je sais plus. C'était une, lui, là, une fille en... avec un petit haut bleu, je crois. Je pense que c'est parce que j'ai bien chanté. Je pense. Ouais. Ah oui, c'est vrai que c'était perturbant. Et du coup, en fait, quand tu suspectes quelqu'un, je voyais que elle et tous ses mouvements me paraissaient. C'est ce qui nous est arrivé à la première partie, en fait. Oui. Le type, il était trop suspect et du coup, on s'est focalisé dessus. Et en fait, non, bah, pas du tout. Je crois qu'à aucun moment, j'ai suspecté la blonde. Et à la fin. On est resté longtemps devant les statues. J'ai merdé avec les statues. Mais c'est vrai. C'était long. J'arrivais pas à les prendre. Ouais, mais c'était pas trop grave parce qu'il y avait une autre, justement, un PNJ qui était sur les statues. Côté. Qui a pris les statues. Donc c'était nickel. La parfaite couverture. Mais en fait, c'était marqué prends les statues, on les prenait, mais après. Tu savais pas quoi faire. Oui, et en fait, il fallait les mettre à l'autre. Je pense que c'est ça. Et une fois qu'on a compris ça, il était trop tard. Jamais le sniper a gagné, non, c'est vrai. Non. C'est vrai qu'à chaque fois. Ah ouais. Bah non, mais. Non, mais il est sympa ce jeu comme tout. Ouais, c'est sympa. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment, tu connais bien les PNJ aussi et leur comportement. Ouais. Et t'arrives à identifier plus facilement, forcément, quand. C'est bien fait parce qu'effectivement, ils font faire des choses à des joueurs. Oui. Enfin, au début, après, non, elle bougeait plus du tout. Mais au début, celle que j'ai suspectée, en fait, elle est passée au travers de gens. Tu sentais qu'il y avait un truc. Et même. Ça, c'est Brigitte. J'avoue, sur le déplacement. Une fille qui passe au milieu des gens, c'est Brigitte. Et qui parlait exactement aux personnes qu'il fallait et tout. Et non, c'est bien fait. C'est vraiment. Et ça s'appelle Spy Party. Les gens demandaient le nom. C'est sympa. Comme quoi. Toi, tu réfléchis mal en ce qui me concerne. Il n'y a pas que moi qui passe à travers les gens. Oui, voilà. C'est vrai. Tu as tiré des conclusions un peu trop rapidement. On aura un petit clip aussi, j'espère, pour ce micro que j'ai rattrapé. Mais alors, magnifique. Un geste de ninja. Mais, d'ailleurs, il est tombé extrêmement tout seul. Oui, ça aurait été con quand même de casser les nouveaux micros la première émission. Alors, sachez qu'ils tiennent, je précise du coup, ils tiennent bien. C'est juste nous, on a rajouté de la mousse, ce qui n'est pas très malin. Le micro tient très bien de base. Mais sinon, ça tient bien. Hein. Pas très malin, en effet. Non, mais on s'est dit, ça allait peut-être mieux isoler des bruits, mais peut-être pas, en fait, ça se trouve. Bah oui, pour pas que ça résonne dedans. Ouais, du coup, des fois, on tape un peu. Ça se trouve, non, ça se trouve juste, on manque de les casser. Attention à la mousse, en plus, on le dit, ils ont bien raison. Bon, voilà, c'était Spy Party, le jeu est encore en développement. Toi, le socle là, il est déjà en mousse. Il est déjà un peu en mousse, ouais. Donc, on sait pas. Peut-être qu'on arrivera. Ouais, En fait, je suis sûre que. Peut-être. Mais on a des gens qui aiment bien taper sur les tables. Donc, on a un peu mais vous savez, n'importe qui comme invité. Mais c'est ça, on reçoit tout et n'importe quoi. J'arrive pas à le quitter. Bon, sinon, tu fermes juste, t'inquiète pas. Bon, j'étais ravie de rencontrer ce jeu. En tout cas, voilà, c'est encore en développement. Là, c'est un peu un teaser de ce que le jeu pourrait être après. Hein. Il va y avoir plein de cartes, plein d'objectifs différents. Mais ça serait marrant si, à plusieurs, on pouvait être chacun. Une des personnes et pouvoir. Je pense qu'il y aura moyen de faire ce genre de choses dans la version complète. À mon avis, là, c'est vraiment un test encore qui est en cours. C'est vachement bien. Oui. On enchaîne. Bien sûr. On va faire. Tu veux que je revienne au milieu ? Allez, reviens au milieu. Oui. On va faire un petit Akina doublage. Bonjour Valentin. Bonjour. Bonjour. C'est vrai que c'était ça. Aïe. Je te dis, faut l'enlever ton truc. Allez, on enlève les mousses. Je l'enlève. Ça va partir en couille. Aïe. Non, regarde-toi. C'est vachement stable, c'est vachement bien. Mais ça c'est fait pour ça. Attention pour vos oreilles. C'est fait pour vraiment.
Alors, ça, c'est de la thèse de Julien, pardon. Je me débarrasse un peu. C'est le bordel. C'est le bordel. Là, sur la aïe, 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 aïe. On va faire un petit Akina doublage. C'est un petit jeu où il faut du coup redoubler des scènes, si tu veux bien. On a choisi des scènes, voilà, avec des discussions entre deux personnages, un petit peu, parfois un peu absurdes. Le but du jeu, c'est donc d'improviser sur ces scènes, tout en essayant... Alors, un de nous deux, un des deux qui participent, doit faire deviner quelqu'un. Donc, c'est-à-dire, on va faire un exemple avec Julien. J'ai rien compris. Bon, c'est normal. C'est normal. Tout cas, personne ne comprend. Personne n'a jamais compris. Mais Donald Reignaud nous a dit, ça ne marchera jamais. Oui, mais on l'a refait pas mal de fois Donald. Après. On l'a refait. On va faire une petite scène pour te montrer. Ça va être une fois que tu le vois, c'est assez simple. Et c'est un jeu dans le jeu. J'ai peur de rien. C'est un jeu dans le jeu. Est-ce que je baisse ? Non, ça je... Alors, mais deviner quelqu'un, ça veut dire quoi ? Alors, j'ai pas compris sa phrase. Est-ce que tu... Ouais, il va aux toilettes, donc on a le temps de... c'est Twitch, hein, on a le temps de t'expliquer. Est-ce que tu connais Akinator ? Tu sais, le site où tu penses à quelqu'un et lui te pose des questions pour essayer de trouver la personne à laquelle tu penses. Genre, est-ce qu'il est blond ? Est-ce qu'il est brun ? Tu sais quoi, on va faire un Akinator, ça va être encore plus... Si tu connais pas, c'est vieux comme le monde, Akinator. À mon avis, tu... Ouais, mais moi, je suis pas tellement vieille, hein. Tu sais, j'ai à peine 4 ans. C'est vrai. Alors, ça c'est tout simple, ça existe encore maintenant, il y a des applications et tout. Sélectionner le terme du jeu, par exemple un personnage. Ouais. Stéphane, tu nous as d'ailleurs, parce que du coup on a plus le retour. Il est avec nous, Stéphane. Je le remets. Bah oui, c'était pour pas que Valise triche. Tout à fait. Et tu vois, là, il faut penser à un personnage. Ouais. Si tu veux, on le fait ensemble. À quel personnage on va penser ? Un personnage que tu as doublé, tant qu'à faire. Oui, par exemple. Oui, oui. Et là, il va nous poser des questions. Ton personnage est-il de sexe féminin ? Non. On ne sait pas. Oui, c'est ça. Première question, c'est compliqué. Déjà, c'est la merde. On sait vrai, oui, on sait pas. Non, non. Bon, bah, il n'est pas féminin. Non. Non, ouais, allez, non. Le personnage habite-t-il en France ? Oui. Non, il est anglais. Ah, voilà. Mes connaissances en rugby vont prendre un coup. Ton personnage existe-t-il vraiment ? Non. Oui, puisque je suis là. Non. Ouais, mais non, il n'existe pas. Il faut qu'il trouve. Ton personnage est-il issu de l'animation japonaise ? Non. Non. On est parti sur un Akinator, du coup. Ton personnage a-t-il des cheveux ? Oui. Ton personnage joue-t-il dans un film de cinéma ? Il y en a sûrement un. Non. Au cinéma, non. Non ? Non. Oh, mais je ne sais pas ou non ? Non, non. Non. Ah, ou probablement pas, il y avait aussi. Ton personnage est-il issu d'un jeu vidéo ? Non. Ton personnage figure-t-il... C'est long, en fait, Akinator. Il a du mal à trouver une vie. Non, pas dans une série américaine. Non. Ton personnage est-il moustachu ? Non. Non. Pas encore. Fait-il des combats ? Non. Non. S'agit-il d'un personnage de dessin animé ? Ah oui. Ton personnage vit-il avec sa mère ? Non. Non. T'as failli dire oui. Oui, il est pas avec sa ton mère. Ton personnage est-il un adulte ? Non. Non ? Non, c'est un pantin en bois. Ton personnage porte-t-il le même nom que l'œuvre dans laquelle il apparaît ? Oui. Oui. On lui donne la réponse depuis tout à l'heure. En plus, on n'arrête pas de lui dire oui, 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 mais il ne oui, comprend il a pas. Le permis de conduire. Ton personnage a-t-il le permis de conduire ? Oui. Ah là, c'est enfin, on pense précis. Qu'il a le permis une parce voiture qu'il... jaune. Oui. Ça se rapproche. Oui. Je pense à oui, oui. Waouh. Wow. Okay. L'algorithme incroyable. Il est trop fort cet algorithme. Très fort. Donc on s'est inspiré de ce jeu auquel les gens aimaient c'est magnifique. Bien jouer. La soirée. Bon, bon voilà. Oh là là, il y aura un chantier. Bref. C'est quoi pardon, il y avait une réplique. Oh là là, la soirée. Oh là là, le chantier. Bref. Ça fait longtemps. C'est vrai, ça fait longtemps. Et donc du coup voilà, c'est en hommage à ce jeu-là qu'on a appelé ça l'Akina doublage, puisque du coup on va s'amuser à se faire deviner quelqu'un, on va se poser des questions tout en faisant le doublage en fait. Mais tu vois, on va te montrer avec Valentin. Mais quelqu'un, moi le chien me fait peur. Mais c'est quel chien? Oui. Le chien qui est derrière? Ce chien. Oui. C'est le chien. Oui. Alors, il s'appelle pas Pirate, du coup, il s'appelle comment ? Alors, parce que mon chien s'appelle Pirate. Mais oui, et il ressemble un peu. Oh, on dirait il qu'il ressemble boude. Un peu à Pirate qui fait la tête. On pourrait faire un sondage. Est-ce qu'il vous fait peur ou est-ce qu'il vous émeut ? Mais non, il est mignon. Moi, je le trouve. Moi, il m'émeut. Moi, j'ai l'impression qu'il a pissé sur le clavier et qu'il. Enfin, c'est vrai. Et qu'il a peur de se faire battre. Ah oui, les gens proposent des prénoms. Oui, oh, Kiboud. Ah, Kiboud, ça lui irait bien. Kiboud, c'est pas mal. Kiboud, j'aime ouais. bien. Oh, ouais. Il est triste. Bon, bah voilà, voilà. Il me terrifie. Les gens proposent des prénoms, il y a eu un prénom. Allez, c'est bon. Les gens il a terrifié. L'air triste, oui, il a l'air triste, on dirait qu'il a fait une bêtise. Il est coupable, ouais, c'est ça. Alors, quelle scène on a ? Est-ce que tu peux. Parce que là, je vais rien oui, voir. Pardon. Par contre, si on veut. Oh, mais non, il faut qu'il voit. Alors, il y a des mots-clés, comme d'habitude. On a exorciste, Hibou dessin, Junior Richard. Junior Richard, c'est assez basique. C'est Junio et Pierre Richard qui discutent en terrasse. Mission impossible, restaurant, smog, sorcière bien-aimée. Il y a des petits mots-clés qui peuvent déjà nous donner des indices sur les scènes à doubler en question. Laquelle tu veux qu'on fasse, pour Valentin, commencer, pour commencer alors, je sais, j'ai pas en tête exactement ce qu'il y a dedans, mais Junio Richard est plutôt facile. Et restaurant, c'est aussi deux personnes qui discutent dans un restaurant. Voilà. Ok, bah écoute, un petit Junio pour la commu, un petit Junio pour commencer. Alors avant, qui fait deviner
comme vous voulez. Déjà le chat, n'hésitez pas. Alors, en général, le chat propose des choses à faire deviner. Donc ça peut être un personnage, un objet, un animal. Ah, ça peut être un objet ou un animal. Ça peut être un animal. Tout ce qui se devine. Tout ce qui se devine. Alors Valentin, je vois que tu regardes. Si tu veux, c'est toi qui fais deviner. Parce que du coup, faut pas que je vois. Je fais deviner. Allez, fais deviner. Proposez-moi des choses. Le chat, je vais essayer de le faire deviner à Julien tout en doublant une scène. Et moi, évidemment, je dois pas savoir. Mais toi, tu peux regarder Brigitte puisque tu. On va te faire une. Voilà, tu triches. J'en vois qui passe des jeux. Ah, il y a des belles histoires. Ah, sur un genou. J'aime bien celui-là, là. Non, en dessous. Attends, ouais, ça. Ça ? Ouais. Ok. Alors après, c'est assez. Ouais, faudrait que tu me poses des questions, Julien, parce que c'est assez facile. Assez facile ? Ah, bah alors, non, alors. Tu vas essayer de. D'accord, tu vas essayer de me roubler. En dessous de. Si, mais je vais le prendre. Je vais prendre celui que tu as dit. Et voilà, n'hésiteras pas à poser des questions. Alors, okay. Je sais pas le qui. Tu veux qu'on regarde un petit peu à quoi ressemble la scène avant de la faire ? Pierre-Richard qui fait deviner, je pense. D'accord, ok. Donc je joue Gérard Jugnot. Tu me donnes l'honneur de jouer Gérard Jugnot ? La chance ! T'as comment il parle Gérard Jugnot ? C'est Pierre-Richard, je vais le faire parler comme ça. Bah quand il s'énerve, il parle comme ça, quand il s'énerve ! Mais quand il est calme, comment il parle ? Pardon, désolé Stéphane, j'ai pensé à toi après coup. Bien sûr, bien sûr. Ok, Jugnot, Richard, ok, vas-y, je suis chaud pour deviner. Ah, bah t'es encore là ? Ah voilà. Non, j'étais là, pardon. Ah, c'est ma voix de Gérard Jugnot. Oh là là là, salut, ça va ? Yann, ouais, merci, ouais. Bon, alors... je suis crevé. Je propose qu'on joue pas. Non, alors, j'ai un truc. Excusez-moi, oui. Deux cafés, une tartiflette. Merci. J'ai fait une liste de courses, voilà. J'ai un truc qui me manque, j'arrive plus à remettre le nom dessus. Ah ouais, très bien, ouais. Vas-y, dis-moi, ouais. C'est un truc pour... C'est un ustensile, voilà, c'est un ustensile, mais je ne sais plus mettre le nom dessus, tu pourrais... Ah, t'as fait moi un ustensile ? Oui, un ustensile dans une pièce d'un appartement, je viens de déménager, tu sais bien ? Ouais, écoute... Tu sais bien que je viens de déménager. Bon, c'est un ustensile pour la cuisine. C'est pour la cuisine, mais j'ai plus le nom. Écoute, tu comptes donner toutes les réponses comme non, ça non, directement ? Non, j'ai besoin que tu m'aides, parce que je peux... Ouais, un ustensile, c'est une fourchette. Alors, c'est un ustensile pour la cuisine, mais j'ai... Attends. C'est une fourchette ? J'ai fait un schéma. Voilà, j'ai fait un schéma. Ça ressemble à peu près... ça ressemble à peu près à ça. Voilà. Ouais. Mais écoutez... Bonjour, excusez-moi, il y a un petit enfant qui arrive. Il y a un petit enfant qui arrive. Si tu vois des gens intervenir. Il y a des enfants qui arrivent. Alors. Bon, écoute, je comprends pas ton dessin. Tu décides d'apprendre. Oh, il y a chaque fois, Junio, pardon. Il parle comme ça. Bon, c'est une fourchette, c'est ça, c'est une fourchette. Ce que t'as dessiné pour moi, c'est une fourchette. Pourquoi monsieur a des moustaches, maman ? Ou alors un couteau. Je sais pas de ce qu'il dit. Mais si c'est un couteau, tu l'as mal dessiné parce qu'une fourchette, c'est avec trois. Regarde, au moins. Le grand frisé, il a l'air nul. Au moins trois piques. Et... Écoute, c'est ma fille. Il faut sûr. Il lui met la main au fer. Faut que je l'ignore. Bon, maman, alors c'est. Maman, écoute, tu peux virer la petite, j'arrive pas à me concentrer là sur. Maman, tu m'as pas répondu, regarde, c'est la fourchette. C'est une fourchette. Mais c'est pas un couteau. C'est un ustensile. Pour faire des pâtes. C'est pour faire des pâtes. Bah, avec une fourchette, on peut faire des pâtes, y'a pas de problème. Un couteau, non, on peut faire des pâtes. C'est un truc, on met de l'eau dedans pour faire des pâtes, enfin. Mais je t'ai fait un dessin, regarde, c'est tout rond. Ah, mais je sais, monsieur. Attends, remonte-moi le dessin. C'est une casserole, c'est facile. Quoi ? Monsieur ? Bon, si c'est une casserole, franchement, tu m'habitues à mieux. Ça, t'as dessiné une casserole. Ça, c'est une casserole. Mais non, regarde, c'est une casserole avec des trous. Bah c'est pas du tout une casserole du coup dans ces cas-là, c'est une passoire, c'est pour passer le... C'est... L'eau passe à travers et les pâtes, finalement on fait les pâtes comme ça. Et oui, c'est une passoire, c'est ça que je devais deviner. Et bah c'est facile en fait à deviner, j'ai gagné, c'est une passoire. Oh bah oui, bah t'as deviné. Ouais. Bah la petite m'a pas du tout aidé. Oh bah t'as mis du temps. Heureusement, incroyable. Il y avait un suspense là. Une casserole. Comment il se retourne, genre. Une casserole avec des trous. Brigitte la punk. Oh mon Junio a changé de voix, je suis désolé. Attends, j'arrive pas à la voix de Junio. Alors moi j'ai fait parler Pierre-Richard comme ça. Bon, je crois qu'il a jamais parlé comme ça. Et pourquoi pas une passoire, pas mal. Okay. Ouais, c'était pas si facile. Il y a des gens qui comprenaient pas ce que je regardais là, alors que vous regardiez là. Mais Brigitte regarde la vidéo. Ah oui. En fait là je la vois, mais là je la vois pas. Il y a un micro. Ah oui, attends, je peux la décaler en plus. Non mais si comme ça tu vois. C'est top. Comme ça, si tu vois mieux. Non. Je tire doucement sur le câble. Je suis en train de arrête ça tout de suite. Tout va tomber. Voilà. Mais non, mais tu ne vois plus. Tu vas tout plus. Casser. Non, mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Voilà. C'est bon. Est-ce que tu comprends un peu mieux le principe ? C'est génial. Très, très belle entrée en matière. Ah oui. C'était magnifique. Mais vous l'avez vu combien de fois la scène ? Moi, je découvre. Et puis, en gros, je cherche deux scènes avec deux personnages ensemble. Je regarde un peu, mais j'essaye de pas trop la regarder pour aussi la découvrir. Pour découvrir. Bref, et moi, je découvre totalement. J'ai juste la situation, quoi. Alors, est-ce que Brigitte, tu veux en faire une avec nous ? Avec plaisir. Laquelle tu nous conseilles, Valentin ? Il y en a, je sais plus, tu sais. Ah oui, c'est vrai qu'on avait de l'exorciste, mais ça peut-être pour plus tard. Mais on voulait te voir dans une scène. Voilà, encore une fois, le contre-emploi.
le contre-emploi. Est-ce qu'on fait ça directement? Ouais, on peut. Allez, bon, alors, du coup, peut-être petit warning, on va faire une scène de l'exorciste qui est quand même pas pour les enfants. Si jamais il y a des enfants qui nous regardent, peut-être, ou si vous êtes avec les parents, voilà, vaut mieux pas que vous soyez devant l'écran. Il n'y a rien de choquant, mais c'est pas la pire scène du film, mais voilà, c'est tiré d'un film d'horreur, donc ça fait un petit peu flipper quand même. Alors, je te propose que tu fasses la gamine. La possédée. La possédée. Je sais pas, je crois qu'elle. Je vous mets un petit peu. Voilà. C'est la scène dans le lit. Elle va plus très bien. Elle va pas très bien. Donc c'est une discussion avec le prêtre. Le prêtre parle un peu plus. Donc peut-être que c'est le prêtre qui peut essayer de deviner en posant des questions pas mal à la gamine. D'accord, très bien. D'accord. Okay. Donc, alors, si tu veux choisir, voilà. Dites-moi un truc que je pourrais faire deviner à mon prêtre. C'est parti. Et qui fera le prêtre du coup, Valentin? Tu veux qu'on fasse un Shifumi peut-être? Vas-y, Julien. Ok, très bien. Je propose qu'il parle comme ça, le prêtre. Tu peux comme François Hollande. Oui, c'est un peu François Hollande. Tu peux François Hollande. Mon prêtre parlera, s'exprimera de cette manière-là. Aidez-moi quand même, mettez pas des trucs. Oh, si c'est dur, c'est bien. Hein. Si c'est dur. Titre. Voilà. C'était oublié. C'était trop évident. Pardon, je l'ai pas vu. Ah, j'ai déjà peur. Moi, il trouve qu'il fait peur ce film. J'ai perdu mon prêtre. C'est une espèce de bacry, mais tout doux, quoi. Un bacry. En tout cas, je vais faire un petit peu un bacry. Voilà. Elle est assez courte, la scène. Voilà, c'est compliqué. Parce qu'on a remarqué qu'on faisait toujours les mêmes voix dans la cabine de doublage. Donc on essaie de trouver. Tu vois, je suis toujours ça. Toujours comme ça. Le mec, il parle comme ça en soufflant. Un petit bacry. T'étais en train de chercher une voix. Cherche la voix pour essayer d'avoir une voix un petit peu différente. On a remarqué que par réflexe à chaque fois, on finit par parler comme ça. On fait toutes les voix comme ça. Avec tous les mecs qui parlent comme ça. C'est ça. Bah forcément, c'est le premier truc qui t'arrive. Je regarde avec toi, du coup. Ok, d'accord. Monsieur l'abbé. Ouais, je suis là. Tu es en train de rentrer dans ton rôle. On est parti, ok. Oh putain. Quelle angoisse. C'est quoi ce bordel encore là? Attends, je venais, bon. Avec. Et moi, on m'a dit que c'était les lunettes, c'est quoi cette histoire là? Alors bon. Bordel, ça. Je peux m'installer? Donne-moi. Tout va bien? Une bête. Qu'est-ce que c'est le truc? Je me suis embarqué encore, c'est pas vrai là. Alors, mets-toi. Y'a pas une chaise, non, y'a même pas une chaise dans la prestation. Une BD, s'il te plaît. Une BD, d'accord, très bien. Putain, encore une BD, un personnage de BD, c'est Astérix, tu vois. Mec, il y a une petite touffe au-dessus. Eh ben ça marche, c'est Astérix. Ouais. C'est encore Astérix. Tous les gens font deviner Astérix. Non, j'en ai ras-le-bol d'Astérix. Je voudrais... Ok, bon. Alors, si c'est pas Astérix, une petite touffe. Mon ami. Il est venu. Il est déjà venu ici. Aide-moi, s'il te plaît. Tu sais bien. Alors, si Titeuf est déjà venu ici, moi je me marre. Alors là, Titeuf qui serait là, qui serait venu là, ici dans cette pièce. Oui, quoi. Il est venu, c'est lui que je veux. Et c'est plus grave que ce que je pensais. Bon, écoute-moi. J'ai gagné ou j'ai pas gagné? Non. Voilà ce que je t'ai dit. C'était Titeuf, c'est ça ou pas? C'est ça ou pas? J'étais en train d'imaginer si tu l'avais fait avec la voix d'un enfant. Ah oui, c'est vraiment opposé, genre oui. Tout mignon. Je vous attendais. Oui. Ah, quelle horreur. Bravo. Le timing parfait. Oui, bonjour, très très bien. Oh, le timing était bon. On a eu la fin de la scène en plus au moment où vous l'avez trouvé. La petite touffe, bien joué. Parfait. Ah, belle scène. La petite touffe, très bonne. Alors, on s'en refait une. Allez, Valentin, tu veux en faire une avec Brigitte, peut-être? Ouais, avec plaisir. Allez. Y a quoi? Je sais plus ce qu'il reste. Y a Smaug, évidemment, le Hobbit. Hein. Évidemment, on a les droits de tous ces films. Hein, vous inquiétez pas. Ah, sinon, Sorcière bien-aimée, il y a un petit côté old school, peut-être. Ça peut changer un petit peu. Ouais. Allez, ma sorcière bien-aimée, je vous montre un petit peu à quoi ressemble la scène, peut-être. C'est déjà... Oh là là, okay. Ok, très alors bien. Je sais pas qui fait deviner quoi. Bah, toi, tu viens de faire deviner. Bah, vas-y. Oui, donc peut-être que tu vas essayer de deviner. Ouais. On fait tous les deux. Tu vas essayer de deviner. Oui. Donc, vas-y, sélectionne quelque chose, le chat, et n'hésitez pas à nous faire des propositions pour Valentin. Dans la scène, j'ai l'impression que la sorcière, dans mon souvenir, a un peu le dessus. C'est peut-être elle qui doit faire deviner. Bah, sinon, Brigitte peut faire l'homme. Hein.
Moi, je... Non, tu veux pas? Bah oui. Ah oui. Bien sûr. Bah tu as fait des petits garçons toute ta vie. Des vieux petits garçons. C'est juste que moi je dois faire du coup une, fille, une voix de. Ah oui. Ouais, je vais faire un accord. Bon, bah, ce sera ma seule voix. C'est pas mal. Figure-toi que c'est pas mal. D'accord. Donc je vais faire deviner. Alors, ne fais pas une mouche. J'ai lu une mouche. Ne fais pas. D'accord. Ouais, je vais essayer de faire deviner. Alors c'est toi qui te fais deviner. Ouais, ouais. Non, faut pas qu'on regarde Brigitte. Je peux tricher, fais voir. Et non. Je suis sûr que t'as lu. Très bien, très bel exorciste. Ils auraient pu te caster. Quoique non, oula, c'est vieux l'exorciste. J'ai fait un remake de l'exorciste où je faisais la petite fille. Ah oui. Ouais. Mais non. Oui, pour Arte. C'est vrai. Oui. Mais c'est incroyable. Mais il y a longtemps, il y a fort longtemps. Ah mais, d'accord. J'ai fait un. Ah, il y a eu des remakes. Oui, en même temps, oui. Oui, sûrement. Il y a plein de... Oui. Ah ok, d'accord. Ok, allez. Mais la première petite fille, c'était la femme de Poivet, qui s'appelait Séverine Morisot. Ah. Voilà. Et qui l'a doublée petite fille. Est-ce qu'il y a des... Bon, je fais une petite question au passage, mais du coup, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a des persos que tu as doublés, que tu as oubliés? Ah oui, oui, oui. Parce que la liste est quand même incroyable. Plein, plein. Ouais, ouais, plein. C'est génial. Alors, ce qui est marrant, c'est que des fois, tu as des gens qui me demandent sur les réseaux en disant « C'est toi qui as fait ça ?» Je fais « Non, je crois pas. » Et puis après, ils m'envoient un extrait, je fais « Ouais, si. » Ou alors, des fois, les gens font « Mais si, c'est toi !» Je dis « Non, c'est pas moi. »« Mais si, c'est toi !» Ah non, là, je suis sûre que c'est pas moi. Mais si, c'est toi! D'ailleurs, fais-moi écouter. Ah oui, c'est moi. D'ailleurs, on avait hésité à faire une autre section dans l'émission, et du coup, on l'a pas fait, on a fait ça à la place. Mais du coup, je te le dis, parce que si jamais tu veux nous régaler de ça sur ta chaîne YouTube ou quoi, moi, je serais preneur. On trouvait ça drôle de voir ta voix sur d'autres personnages cultes, évidemment, que tu n'as pas doublé. Comme si tu avais doublé Dark Vador, si tu avais doublé tous ces trucs-là. Oui, et de refaire les scènes, tu sais très lequel. Moi, je rêverais d'entendre Dark Vador avec ta voix. Ouais. Bah, déjà, là, on a sélectionné une scène de The Hobbit avec le dragon Smaug. Oui. On n'a jamais entendu. J'espère d'ailleurs qui le double en français. Le c'est Benedict Cumberbatch. Ça doit être en VO, le comédien. J'imagine qu'il double Benedict. Oui. C'est bon, j'ai trouvé. Ok. On est parti. On a 3 minutes 28. On est large. On, est, ouais, on a le temps voilà. de poser. Voilà. Alors, pardon. Bon, j'en profite pour mettre l'accent sur ce petit tigrou qui est dans l'image. Qui nous régale. Alors, moi, je dois deviner, du coup. Oui. Et c'est ça. On a qui fait le monsieur, du coup. Ouais. Ah, ça me plaît. Ah bah. Ok. Allez, c'est parti. T'es pas mal. Ah bah te v'là, fallait que je te fasse deviner quelqu'un. Alors vas-y, dis-moi, j'adore. Est-ce que ce serait pas un homme? Ou plutôt... Je te préviens, j'ai pas toute la nuit. Tu vas deviner quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient d'un dessin animé. Alors déjà t'arrêtes avec les hommes. Oh, d'accord. Mais pose-moi des questions, je vais pas te dire la réponse comme ça. D'accord, alors c'est un dessin animé. Bon, bah d'accord. C'est un animal. Un dessin animé, j'étais déjà. Ah, un truc avec des pattes. Mm-hmm. Des pattes avec un gros. Des cheveux. Non, mais t'es pas loin, oui, avec des pattes. Il faut deviner combien de pattes et ça pourra t'aider. Bah, je sais pas. 1, 2, 3, 4, 4. Je sais pas moi. En général, ils ont 4 pattes. Oui. Oui, c'est ça. Alors, il a 4 pattes. Un mec, peu comme une voiture. Un mec, comme une voiture. Une voiture. Ah, un animal avec une voiture, ça peut être bip bip. Non. Ah, je me suis gouré. C'était pour te déstabiliser, ça n'a rien à voir avec une voiture, il n'y a pas de voiture du tout. Oh, ce que tu peux être marrant. Bon, alors, je sais pas. Alors, c'est un dessin animé qui se passe. Oui, alors, là-haut, dans le ciel, avec une voiture. Pas du tout, il se passe en Afrique. Ah, en Afrique, je te dis. Un dessin animé en Afrique avec une voiture. Mais non, il n'y a pas de voiture. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de voiture. Arrête de me raconter des conneries. Tu vois bien, la voiture est devant nous. Mais la voiture, je sais pas pourquoi elle est apparue. Alors attends, s'il n'y a pas de voiture, alors... S'il n'y a pas de voiture, il y a des animaux de la savane. Il y a quatre pattes. C'est... Tigrou. C'est pas Tigrou, non? Eh oh. Ah bah non, oui. Attends, il faut que je regarde parce que des fois les animaux à quatre pattes se cachent dans les voitures en Afrique. Non mais là c'est dans l'Afrique, il n'y a pas de voiture, la voiture c'est une erreur. Mais si, mais comme... Un dessin animé en Afrique, c'est Disney. Moi, personnellement, j'ai vendu des voitures en Afrique. Mais t'es trop con, je vais... Oui, bah oui, ça c'est vrai, c'est peut-être vrai. Hop, ah merde, elle a disparu. Mais je t'ai dit que la voiture avait rien à voir avec l'énigme. Ah ben oui, mais moi, t'as vu comment je suis sapé, je peux pas aller en Afrique habillé comme ça. Eh ben, je te change. Ah bah... Oh bah... Bon, tu vas le deviner, ce personnage, à quatre pattes dans un dessin animé. Quelle tannée. Alors attends... Mais comme ça, tu devines plus ou quoi? Dans un dessin animé... Ah, c'est un chien.
Ah bah oui, il manque un chien, non? Ça serait bien si j'étais habillé comme ça avec un chien en Afrique. C'est pas un chien, c'est un facochère. Un facochère. Oh, je t'ai presque donné la réponse. Alors, ça me file la migraine, ça sans déconner. Dans le roi lion, un truc comme ça, un truc. Ah oui, c'est dans le roi lion. Dans le roi lion, comment il s'appelle? Bon, tu vas le deviner maintenant, je sais parce pas, que moi, Pumba, Simba, Imba, Ramba, bah oui. Mounyaf. Bah, je sais pas, en Afrique, il y a beaucoup d'animaux à quatre pattes. Il y a des zèbres. Te fatigue pas, tu l'as dit, c'est Pumba. Oh bah, c'est dingue. J'étais sûr que je trouverais. Ah bah ah voilà, oui. Tu l'as trouvé du premier coup, dis-moi. Bah oui. Bah. Bravo, joli. Oh là, le timing. Waouh. C'est magique hein, quand ça va. Ah ouais, tout, ah, les amis. Tout correspondait. J'avais pas dit tout la tenue pour. Ah ouais, la charge. Incroyable. Ah, oh là là. Le sens du timing. En fait, on avait monté le film avant. C'est ça. Ah, mais là, incroyable. On aurait voulu le faire. Mais c'est typiquement pour ce genre de séquence qu'on fait la Kina Double. Là, là tous les questions montent. Et puis le fait que la voiture nous a perturbés quand même. Parce que. Ah ouais, mais justement, t'as réussi à t'en sortir quand même. Bravo. Voiture, mais c'était drôle que le mec reste bloqué sur la voiture. C'est pas mal. Wow, alors là, masterclass. Je comprends rien de ça. Bravo, alors là, les gens se sont beaucoup amusés dans le chat. Tout à fait, celui-là, une idée. Ah ouais, non, celui-ci était vraiment du début à la fin, magique. Bravo. Je colle très bien sur les gros monsieur. ça marchait pas mal. C'est peut-être une nouvelle carrière, sauf pas moi. Et cette petite voix à la Audiard aussi. Ah bah, du coup, je me suis dit, je vais la faire parler comme ça. Bon, ça lui donnait un peu de prestance. Ouais, bravo. Bah, Julien, t'en fais un. Oh, moi, j'ai pas envie de m'arrêter là-dessus, c'était trop parfait, non? Là, franchement, on peut pas faire mieux que ça, non? Ah, vous êtes frustré? Vous voulez en faire un? Je sais pas, toi, tu veux en faire ou pas? Ah, mais comme vous le voulez, hein, ça dépend de vous. Est-ce qu'il y en a 3? Tu veux gagner notre planning? Non, bah oui, c'est pour ça, il est 21h47. On peut faire le petit. Il y en a un qui s'appelle. Il y a un truc dessin animé qui est un peu court. Qu'est-ce qu'on a beau dessin? Ouais, et c'est quoi les autres? J'ai oublié déjà. Hibou dessin, c'est pas très long, effectivement, c'est 1 minute 37. Voilà. Et sinon, on a Mission Impossible, Restaurant, Smog, et voilà. Bah, Mission. Hibou dessin, il est court. 1 minute 37, effectivement, c'est pas très long. Et je pense que. Oh bah, tu peux le qui faire on a de... avec Brigitte. On a un espèce de. Bah, de ou Hibou. Sinon, on fait le fameux Smog avec la voix de Brigitte. Ça peut aussi être. On rentre un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure, de la relecture du mythe. Comme vous voulez. Ah bah là, faut choisir. Là, c'est très court. Sinon, on fait les deux. Celui-là est très court. Hein. C'est 1 minute 30. Allez, on est parti. Et alors, du coup, il y a quoi comme personnage? Il y a un hibou comme ça. Un hibou qui cuisine. Donc, et une espèce de petit oiseau tout chétif qui va arriver. Ah bah voilà. Okay. C'est dans quel dessin animé? Rocorico. 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 Oh là là. Avec la voix d'Eddie Mitchell. Et là, on va découvrir que c'était déjà Brigitte qui faisait la voix. J'ai pas vérifié. J'ai pas écouté du tout. N'oublie pas. Ah, les gens connaissent. Qui fait deviner? Quoi vous voulez, Qui n'a pas fait deviner? Moi, j'ai pas fait deviner. Ouais, je sais plus. Non, t'as pas fait deviner. Ok, je vais sectionner quelque chose du chat. C'était incroyable cette dernière scène. J'ai beaucoup rigolé. Alors, ça c'est pas mal déjà. Le premier là me plaît pas mal. Facochère. Ouais, très bien. J'ai envie de regarder par là. Eh oui, bah oui, c'est tentant. Non, mais je vais m'arrêter sur le premier. Le premier était pas mal, ok. Alors, du coup, donc il y a deux jeux de personnages. Ouais, un je sais oiseau. Pas lequel parle plus. J'ai l'impression que le petit oiseau fait plutôt deviner, mais quoique. Okay. Non, les deux. Comme vous préférez, Brigitte, tu préfères faire un petit oiseau ou oui. ce je vais faire un petit oiseau. Le petit oiseau. Donc il arrive même après. Ok, c'est parti. Ah, ben, je vais remonter un petit peu. 1 minute 37, ok, il va falloir être rapide. Ouais, ça va assez vite, ouais. Ok, c'est parti. Ah, c'est du musical? Non, je vais juste trouver. Oh je mets une musique au pif à chaque fois. Ah, d'accord. C'est vrai, d'accord. Là, j'adore chanter quand je cuisine. Et j'ai un accent, je sais pas pourquoi. Oh là! Oh là, voilà! Fratello, qu'est-ce que bordel là? Oh merde, mon petit! Eh oh! Je sais ce que je vais cuisiner ce soir! Je vais te cuisiner avec un petit plat. Oh là, ouais! Ça va pas, non? T'es complètement débile! Tu vas pas arrêter! Oh! Tu vas te calmer! Je voulais te cuisiner avec. Je veux pas que tu me manges! T'as compris? Alors maintenant, regarde! Regarde!
Je sais, je pourrais te mettre avec un ingrédient intéressant. Un chocolat, mais pas n'importe quel chocolat. Non, j'ai pas du tout envie de manger du chocolat. Merci, un chocolat. Tu serais très bien rôti avec... Oh, mais arrête avec tes histoires. Je suis fatiguée, je t'ai déjà dit. Voilà, maintenant, tu vas... Dans une casserole avec un fromage suisse. Pas n'importe lequel, il y en a. Mais non, pas du fromage... voilà. Du fromage, je vais te donner la réponse. Si tu le trouves pas, c'est facile, c'est un Suisse. C'est des petits triangles comme des pyramides. Oh, il y avait même un triangle là, on l'a vu. Attention, si tu ne trouves pas la réponse, je te mets avec un... S'il te plaît, c'est pas la vache qui rit. Oh, j'ai peur. Aïe, 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 malheureusement non. Je vais devoir te cuisiner. Est-ce que c'est Suisse, la vache qui rit? C'est Suisse, la vache qui rit ou pas? Eh non, j'ai dit chocolat. Chocolat, j'ai dit fromage après. T'as commencé par le chocolat. Ah merde, j'ai dit chocolat. J'ai dit fromage après. Il est con, le tout. J'ai dit fromage après. T'as fait passer du chocolat au fromage. C'est moi qui ai dit fromage et t'as repris fromage. Donc j'ai dit fromage. Ah mince, c'était un Toblerone, j'ai fait Maïté, je sais pas pourquoi. Et il a changé de voix aussi, ton mal, au début c'était Obélix, et puis après... Il y a un moment t'étais Roger Carrel, je te jure. Incroyable. Et après t'es devenu Maïté. Faut que je bosse là-dessus. Brigitte, faut que tu me coaches sur comment garder sa voix du coup à la fin. Parce que t'as fait tous les persos d'Astérix en un... Il y a beaucoup, beaucoup de travail. On va bosser là-dessus. Il faut que je te parle. On va bosser là-dessus. Mais pourtant, je comprends pas, dans la vie, je change pas de voix en général. Oui, c'est à chaque fois. Bon, voilà. Ah, très drôle, très. Et puis c'était quelle émotion de t'entendre. Ah là, oui. Les j'ai vu dans le chat, alors là c'était le festival, les gens étaient heureux. Bah oui, j'adore la voix de Brigitte, nous dit la bonne question. Bon, encore, est-ce qu'on fait pas du coup Smog pour finir? Du coup Smog. Bah oui. Si tu veux. Smog. Bah pour voir Brigitte peut-être avec la voix, on fait un Smog dangereux ou un Smog mignon du coup. Ça pourrait être un Smog mignon. Ça peut être un Smog mignon justement aussi. Hein. Qu'est-ce que tu préfères, Brigitte? À ce que vous voulez. Un Smog mignon, il fait deviner, j'imagine Smog. Ouais. Et puis en plus, t'as pas eu le temps de bien faire deviner. Allez, oui, un petit dernier, tu fais deviner Valentin. Je fais deviner, alors fais voir. Ah, merci, on a reçu un petit raid de 64 personnes de Peter Moon TV. Merci, Vibration Galactique. Peter Moon. Merci beaucoup, Peter Moon. C'est pas merci. Ça fait deux fois. Ça fait deux fois. Merci aussi, Vibration Galactique, qui est modo en plus. La fille qui est vachement. Qui n'arrive pas à lire dans le chat. Bienvenue à vous. Qu'est-ce qu'il dit? Merci Peter, du coup, merci, bienvenue à vous. On est en train de faire du doublage avec Brigitte Lecordier. On fait une dernière scène, vous arrivez tout juste pour la dernière. Ouais, il y a eu plein de subs aussi, mais on les remerciera après. On va pas oublier, effectivement. Alors, je le note. Je vais y répondre. Ouais, d'accord, je vais prendre ça. Hein? Ah, pardon, oui, j'ai pas vu. T'es d'accord? Moi, j'ai pas vu, mais je serai spectateur, puisque c'est toi qui joue. Ouais, je vais faire... C'est toi qui joue. C'est Martin Freeman? Martin Freeman. Allez. Alors, quelle voix je pourrais lui faire, Martin Freeman? Parce que... Et je te propose, c'est là, moi. De toute façon, vu qu'ils parlent tous comme ça aujourd'hui. Je vais faire une voix qui n'a rien à voir avec lui. Ok, ouais. Je vous laisserai deviner. C'est Raymond DeVos que tu allais faire, là. Exactement. Oh là. C'est tout ce que Ok, c'est parti. Raymond DeVos et Smog. Vraiment, je fais Raymond DeVos. Ah, je vais. Et Smog mignon ou dangereux, c'est toi qui décides, Brigitte. C'est toi qui nous régale de cette voix. C'est parti. Non. J'aurais dû jouer. Si tu savais comme j'ai envie de jouer avec toi. Regarde-moi et trouve un jeu avec lequel on puisse jouer tous les deux. Oui, d'accord. J'avais pas spécialement prévu de jouer aujourd'hui, d'accord. Qu'est-ce que je dois faire? C'est quoi les règles du jeu? Alors, si tu veux que je sois gentil... Oui, il faut que je fasse. Il faut que tu trouves un jeu qui m'amuse avec du papier. T'as compris? Un jeu qui t'amuse avec du papier. D'accord, un jeu qui t'amuse. Ils ont tous l'accent du sud ce soir. Qui t'amuse avec du papier et du carton. Pour faire des formes, sans doute. Des formes en papier. Un truc japonais, peut-être. Ah, d'accord. Espèce de J'ai cru que c'était.
J'ai envie de jouer avec toi. Alors, t'as trouvé? Tu trouves rien? Si. T'es nul. C'est pas de l'origami, c'est ça, j'ai cru. Non, c'est pas de l'origami. Alors oui, avec des trèfles et des cœurs, c'est... Il y a des trèfles, c'est des cœurs, c'est... carton. Je pense que j'ai deviné. On a 32, idiot. 32, 32, c'est l'Uno, c'est pas le jeu de Uno. Non, ouais, c'est pas ça. Mais... Attends, attends, je peux deviner. 32. Oh, pas vert, ni rouge. 32, avec des cœurs, des trèfles. Non. Et des pics, des oui, pics. Putain, je connais, oui. je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, je alors... L'ai... Yeah. Ah, je l'ai sur le bout de la langue. Tu triches. Tu peux tricher. C'est pas le Monopoly, non? Non, c'est non. Pas le Monopoly du minaire. Non, mais okay, avec le 32 cartes. J'essaye de trouver. Bref, la table, il y a un. T'es débile ou quoi? Il y a un pic, il y a des pics, il y a des cœurs. Des pics, des cœurs, des carreaux. Des chiffres sur la carte? En carton. En carton. Oh, mais c'est dingue ça. Tu comprends rien. Je ne sais pas si je vais jouer avec toi. Okay. Pas vraiment. Okay, avec toi, on est là pour se marrer. C'est un jeu de cartes. Tout ça. Mais voilà, c'est un jeu de cartes, voilà. De 32 cartes. De 32 cartes. C'était pas marqué 32, ni 54. Mais enfin, on est libre de jouer à ce qu'on veut, t'as compris? Espèce de minus. Ok. Alors, tu vas le chercher. Oui. Vas-y. Oui, 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 je vais le chercher, je vais le chercher. Oui, vas-y. Oh, il est juste... Oh, merde, il est tombé. Bah, je vais le chercher, je vais le chercher. Bah oui, oh, pour, cours, pour qu'on perd pas les jokers. Oh. Bravo, bravo. Ah, c'est pareil, j'ai pas trouvé. Je suis passé par toutes les voies. Oui, oui, il parlait comme ça, puis il parlait comme ça. Et il y a un accent du sud qui est venu peu à peu. Oui. Ah, très drôle, bravo. Ah, bravo, ah, bravo. Mignon. Ça permet de voir ce que serait le Hobbit, ce que serait Smaug avec beaucoup plus... C'est Christophe Lemoine hein, qui le... Ah, c'est peut-être Christophe Lemoine. J'avoue que je sais pas. Je pense que c'est Christophe. C'est possible, oui. Ouais. Oui, oui. Mais bravo, en tout cas, merci beaucoup Brigitte de t'être prêtée à ce jeu, c'était incroyable. J'aurais pu faire des dragons. Oui. Ah, non, mais alors... T'as jamais fait de dragons? Tu faisais des trucs dans le fond de la gorge, moi j'étais hyper impressionné. J'avais un peu peur, je t'avoue que... Pas, oui, j'avais un avec peu peur. Avec mes grosses dents, là. Ah non, mais il y a eu un moyen, un truc dans la gorge. Hein. Si, ouais. À nous cracher un truc à la gueule. C'est pas très Covid. Les gens ont beaucoup aimé, tu vois, on a un maximum de cœurs. Oh, des petits cœurs, vous êtes trop mignons. Bravo, j'ai adoré. À gros gros. Je fais un petit point sub, du coup, il y a eu pas mal de subs. Merci beaucoup John Lemon 56, bienvenue à toi. Qui a offert... Ah, mais il a offert carrément 10 abonnements en plus de cet abonné. Merci beaucoup, merci. John oh, bah, Lemon c'est 56. Génial. Très gentil. Sur ma chaîne aussi, et mais puis oui. Abonnez-vous. Tu sais quoi d'ailleurs, tiens, je vais mettre tout de suite ton at dans le chat. Si non, j'y arrive, hein, parce que je me rends compte que j'y arrive pas. C'est parce qu'il est en QWERTY, non? Ah oui, je suis en QWERTY, c'est pour ça. Appuie sur le bouton. Appuie sur c'est le bon. Bouton, Julien. C'est Brigitte le cordier tout attaché ou il y a un underscore? Il y a un ouais. C'est ça. Oui, c'est ça. Un tiré du 8. Ouais. Comme ça, Brigitte underscore ouais. Le cordier. Ouais. Vous n'avez plus qu'à cliquer. Ah. Je le poste directement. Mmh. Voilà. Bien, et donc merci John Lemon. Moi j'adore les gens qui offrent des subs aux autres. Ouais, ça, c'est très vachement sympa. Sympa. Très sympa. Galaburde aussi. Sixième mois. Merci beaucoup. Gwenolem aussi. Merci beaucoup. Qui dit oui, 12 mois quand même. Merci beaucoup. Très beau, 12 mois. Merci beaucoup, Gwenolem. Le train de la hype qui discrètement était passé aussi. Et Horus 221, je crois qu'on a oublié de te remercier aussi. Merci beaucoup, Horus. Et du coup, merci à Peter du coup, qui nous héberge pour la deuxième fois. Peter qui est batteur, qui fait de la batterie aussi en stream. Il me l'a dit la dernière fois parce que du coup, j'ai dit, ouais, il fait du poker, mais il fait aussi de la batterie en live et c'est un très bon batteur. Donc n'hésitez pas à aller le voir aussi sur sa chaîne. Il y a plein de pseudos que j'arrive pas à lire. Nous aussi. Alors merci. On a un petit jeu, alors on n'a pas énormément de temps, on va le faire assez vite, je pense. Ouais. On a appelé ça le juste dessin. Le juste dessin. Je ne sais plus pourquoi on l'a appelé comme ça. Bah, si, il faut trouver le juste dessin. Parce qu'il faut trouver le juste dessin. C'est un ami dessinateur de BD, Corentin Martinage, qu'on salue, qui nous avait montré ce jeu. Alors, tu peux m'attraper les feuilles qui sont. Je peux attraper sur les le feuilles. Côté. En fait, le but est très simple. L'un de nous va faire une forme complètement au hasard. Ouais. Et il faut c'est donner ça. Un sens à cette forme à cette en forme. Dessinant à l'intérieur sans jamais dépasser. Ah, oh, d'accord. Voilà. Si tu veux, pareil, on peut faire un exemple avant ah, Julien. Ouais. La forme est imposée. Il ne faut pas sortir de ce dessin, c'est tout utile. Essayez de trouver, tu as le droit de le tourner dans le sens que tu veux pour d'accord. Essayer de trouver ce que ça t'inspire. Exemple, mais si tu veux, on va te faire une petite démo avec Julien. J'en fais un rapide avec Julien. Bien je sûr. Fais une forme. Alors, je vais dessiner sous la caméra. Complètement ouais. Au hasard. Vas-y, vas-y. Vas-y, va, rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. J'ai peur. Veux-tu que je tire le fond vert ouais. Bon. Ah, moi, j'ai ça. Oui, je vois déjà aussi quelque chose.
Et là, Julien va lui donner vie. Alors, oh. De façon incroyable. Oh, bah alors après, ah, des ça, fois, ça, il y a... C'est assez dur. Je peux sortir les crayons? Ah, bah oui, oui, oui. Ah, oui, bien sûr. Regarde, c'est l'atelier Julien. Coloriage. Ah, oui. Oh, c'est beau. Faut que je t'aide, Julien. Ah, bah alors, j'ai déjà des petites idées. Mais j'ai envie de trouver un truc. Enfin, un peu plus complexe. Comme si j'étais un grand dessinateur. Non, je veux pas céder à ça. C'est vrai. Trop facile. Chaque fois aussi, je me suis rendu compte en faisant la forme. Je vois quelque chose. Mais t'as le droit de le faire, hein, Julien. Je vais le faire pour l'exemple et puis pour vous montrer mes talents de dessinateur. Tu vois pas du tout pareil. Ils sont pas. Il va faire un boulanger. Ah non, bah déjà. Ah, on a pas la pas même du chose. Tout. Ouais. Ah oui, pas du tout la même chose. Je sais pas si on avait la même. Je pense qu'on a vu la même chose. Non. Je vais vous faire quelque ça. Quelque chose de marin. Non, mais lui, il est un peu bizarre. Hein. Ouais. Ah, il change de couleur. Ah, vous aviez une baleine, vous. J'ai hésité avec une baleine. J'avais un dauphin, moi. Ouais, moi j'avais un dauphin. Ah, ok. Mais tu changes de couleur, toi. C'est, ah bah attends, ça, rien. Bah, tant qu'à faire, il y a plein de crayons de couleur. C'est pas si bien que ce que je croyais. Si, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Si, on a pris. On n'a pas déjà la réponse par hasard. Ouais, non, on l'a pas. Hein. Ouais. Vas-y, de toute façon, on va voir le résultat. C'est sans doute un perroquet. Non. Oui, c'était. Ah, vas-y, continue parce que là. Bah, je vois un chien assis. Ouais, là, pardon, mais pas ouf. Avec son oreille. Je vous mets de la petite couleur un petit peu. Ouais, jamais passer normalement sur l'autre couleur comme ça, jamais faire ça normalement. C'est important les couleurs. Non, ouais. Non. Si, 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 si. Pour ton dessin. Oui, oui, si, c'est si. C'est important. Donc un truc orange et jaune. Je crois que c'est un perroquet, non. Baf. Un rat. Ah, c'est pas un perroquet. Hein. Bah, oui, non, quoi. Non, allez, c'est pas un perroquet. Si c'est un perroquet, est-ce que. Tu... Non, c'est pas un oiseau, c'est un. Tu sais, celui qui a le. Voilà. Comment il s'appelle? Bah, je sais pas non plus. Le cacatoès. Un cacatoès, voilà, exactement. J'avais le dessin, j'avais pas le nom. Avec sa huppe. Oui, voilà, exactement. Tu peux le mettre sur une branche, là? Non, Bah, on n'a pas le droit de faire avec. Et non, je peux pas. Je peux faire un petit morceau de branche, si tu veux, comme ça. Comme ça, j'imagine. Et là, tu peux mettre les. Si tu veux, tu nous demandes beaucoup pour mes talents de dessinateur. J'aime bien quand on fait l'intérieur comme ça. Okay. L'intérieur. Tu peux faire son ventre. Là, d'accord. Là, tu vas me dire oui, d'accord. Voilà, regarde. Là, d'accord. Ah, okay. Bah, ça change tout. Il y a des petites patounes, évidemment. Quoi. J'aurais dû faire du... une manche. Ah oui, c'est pas marron, c'est pour ça. D'accord. Ça peut être marron. Hein. Écoute, si tu tiens au code couleur, ça peut être marron. C'est bien. Et puis on va lui faire ses petites patounes, j'aurais dû faire des petites griffes comme ça. Exactement. Ouh là, tu m'en demandes beaucoup, Brigitte. Il y a Storm, je remercie Storm KL qui vient de prendre un abonnement. 16e mois, merci énormément. Il nous dit let's go. Mais oui, c'est, j'ai fait des patounes, mais parce que tu m'as dit des pattes, mais en fait, il y a des griffes, effectivement. Des griffes. Ouais. J'ai des pattes comme ça, j'ai dit. En toute façon, vous l'aviez, donc. Voilà, l'aile. Non, mais il manquait l'aile. Oui, voilà. Oh, c'est beau. Pas mal. Voilà, non, pas c'est mal. Bien, non, c'est bien, c'est bien. Non, là, c'est bien. Vous êtes sympa. On a bien fait de te pousser un petit peu. J'ai adoré. Ouais, c'est ça. Vous m'avez repoussé dans le retranchement et c'est vrai qu'on obtient un dessin qui est quand même déjà beaucoup plus sympa. Oui. Brigitte, tu veux qu'on te fasse une forme ou tu veux nous faire une forme pour commencer? Bon, allez, on te fait une forme. Julien. Une forme. Julien. C'est oui, pardon. Allez. C'est le petit moment chill du stream. Alors, est-ce que tu... On est un petit peu salaud, on fait une forme déjà un petit peu... On fait une forme qui te vient, c'est ça. Ouais, voilà. Fais ce que moi, j'aime bien me laisser aller... Vas-y, laisse-toi aller. C'est le crayon qui va décider. Ouais, exactement, ok. Le crayon va décider. Maman, au secours. Voilà. Ah, j'aurais pu faire plus complexe, finalement. Je me dis que, tu vois, peut-être que t'étais trop gentil. On en a déjà eu une un peu comme ça. Je sais pas. Ah bon? Bah, si c'est moi qui ai fait le dessin, c'est possible que j'arrive pas à être original. Ouais, c'est ta signature, tu sais même sur ta... pour que tu signes comme ça. Il y a Martins qui a donné son prime, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et Storm KL qu'on commence à connaître 16 mois, let's go. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait plaisir, pour la fidélité. Alors je sais pas comment ça se dessine du tout. Oh. Oh non mais attends, t'es impressionné au moindre coup. Et oui moi, parce que j'ai vu un papillon mais c'était peut-être pas ça. Si, non, c'est très bien vu. C'est vrai qu'on dirait une main. Ouais, on dirait un pouce. Oh. Ah non, c'est ça, c'est un ongle. Non? Bah si, c'est pas mal, attends. C'est ça. Ah, mais c'est très deux, bien. 3, 4, il y a 5 doigts, mais c'est incroyable. C'est assez génial. Mais, ouais, mais attends, mais en si peu de coups de crayon. Ah, mais oui. On peut en rajouter des ongles, mais en général, c'est plutôt comme ça. On attends, les ongles sont où là? Attends, d'anatomie. Une bague. Où sont les ongles, Brigitte? Ils sont dedans. Ah, c'est la main de Joey Star, ce n'est pas n'importe laquelle. C'est la plein de bagouses. C'est la main de Joey Star. Tu le sais parce que c'est ton pote, Julien. On va mettre un saphir. Et un. Non, non, mais. Une émeraude. Par contre, il fait une manucure, mais que du pouce. Regarde, il a un pouce. Regarde. Est-ce qu'on peut essayer de faire le même pouce? Regardez. Ouais. On voit pas les ongles. On voit les un Picasso, on nous dit. C'est vrai que le pouce de ce côté, du coup. Ouais, si, allez. Non, mais c'est très bien. C'est très, très bien. En plus, dans la rapidité, tout de suite, on trouve un truc. Oh, regarde. Oh là là.
Ah bah ça tombe bien, j'avais un neveu qui voulait un autographe. Une main. Mais oh bah écoute, regarde ce que t'as fait, Brigitte, une main. Ouais, maintenant t'as plus qu'à jouer une main dans un film pour que ça ait un peu plus de sens, ça nous arrangerait. Si tu peux signer Gabriel, ça m'arrange quand même. J'ai perdu le bouchon. Aïe, aïe, aïe. Oh, c'est pas grave. Attends, ah non, cher, il est là, ça, il hein. est là. Tu peux te venger, tu peux nous faire une forme. Ça, en convention, c'est 50 balles. Hein. Au moins, au moins. Tu seras pas obligé de le signer, le tien, Valentin. Et pourtant, je vois un truc. Ah. Ah oui. Ah, et non, plus. Moi en plus, je vois plus. Ouh là, ça c'est dur. Ah oui, d'accord. Non, moi j'ai essayé, je vois quelque chose. Ouais, pardon. Elle est pas aussi sympa caméra. Que sa voix le laisse présager. Hein. Non. Vous avez pas vu la dernière vidéo qu'on a faite sur la chaîne avec si, Hugo et Tom. Oui, on a regardé les coulisses. La vérité sur Brigitte. Les coulisses, c'est très drôle. Parce que souvent les fans ils sont hyper sympas avec moi et puis ils m'aiment bien et tout. Ils disent oh Brigitte est trop gentille et ils ont dit ok on va vous la montrer pour de vrai. Bon, c'est un ongle mais c'est une main qui est très bizarre Valentin. Arrête de copier. Tiens les copies. Je peux pas réagir, ça me. C'est un chien. Oui, un chien qui court, attends, avec ta petite queue en l'air tellement il est content. Bah, c'est plutôt malin. Je vais mettre un peu de détails. Ouais. Pour moi, c'est même les chiens, tu sais, qui sont. Oh, il est en train de faire pipi. Ah, et il lève la patte. Ah, pour moi, c'était la queue. Oh, regarde, il y a trois pattes. Ah, c'est pas si il mal. Il lève la patte et là, la queue, elle est là. Pour moi, c'est les chiens mal toilettés, tu sais, qui ont trop de poils au niveau des pattes. Ah, ouais. Une espèce de patte d'eff. Une patte d'eff. Roxeroukli, on le dit. Un ours bipolaire. Moi, j'ai jamais vu un chien. Ah, c'était un ours peut-être pour toi, effectivement. Il n'est pas mûr. Trop juvénile. Un renard. Croque-mou, on nous dit. Je ne sais pas comment quoi ressemble une patte de chien. Non, je me suis ah, vous savez, chien. Ouais. Je me suis embrouillé. Mais les pointillés, qu'est-ce que c'est que les pointillés non, ah, il, a le corps d'un, il a le corps un peu d'un paresseux. Un petit peu. Oui. C'est un chien paresseux. Un chien paresseux. Ouais. Mais tu viens de dépasser, là. Ah, non, tu viens non de c'était moi, c'était ça. Avant, c'était avant. Pardon, ok, autant pour moi. Bon, bah, je vois pas non, comment... Non, mais c'est bien, voilà. C'est bien. Moi, j'adore. C'est mal ce chien qui court. Oh ouais, un chien mal foutu, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Si, oui, si, oui. Si, non, c'est pas mal. Il y a du mouvement. Moi, je trouve qu'il y a du mouvement. Là, perdu, c'était un piège. T'as décidé en dehors. Non, franchement, il est beau. Pas mal, pas mal. Franchement, il est beau. On s'en refait un petit dernier. Comment ça patte, se passe là, ou on oui. se fait une collab. On avait déjà fait ça, ah, je crois. Oui. Une ah oui. Une petite collab, comme on dit. Et comment on... Je sais plus comment on faisait. Tu lances des sujets. Ouais. Comment mais Stéphane peut peut-être nous faire une forme. Ah oui, et puis nous, on la remplit. Non. Je t'ai pris de court peut-être. Il a pas envie. Il a pas envie, je vous dis. Non, ça fait chier. Ouais, c'est vrai. Il a posé tranquille. Pénard. La couleur que tu veux. Allez. Il est très classique. Bah bleu, oui. Bleu. T'as pris bleu. Bleu. J'ai pris bleu. J'ai pris bleu. Tout à fait. Tu peux nous expliquer pourquoi. Ah, j'aurais pas fait ça. Des montagnes. C'est les pyramides. Montagne avec des doigts. Ça ne veut rien dire. Mais il dessine directement quelque chose. Pas rien compris. À bien fermer les bords. Ah pardon, excusez-moi. Bien fermer les bords. Oh là là, faut tout lui dire. Hein. Pas mal. Alors. Là, on peut réfléchir tous ouais. ensemble. En brainstorm, ok. Alors, le chat peut proposer aussi. On peut peut-être le retourner. Hein. On a le droit de. Je vois une bite partout. Je vous le dis, je vois une bite peu importe dans quel sens on tourne. Ah là, on dirait le bâtiment du futuroscope. C'est là où je voyais une bite, ouais. Le c'est bâtiment. Quand il a tourné comme ça. Moi, je vois une paire de fesses là. Oui, un peu. Il y a un peu de ça, mais on est revenu au point de départ. Un espèce de loup cul nu. Alors je le ouais, ouais genre les ouais, oreilles le loup là avec sa truffe, ah. sa truffe le machin et puis ses fesses. Ah ou alors non, il fait peut du avoir ski. Des boutons des fions. Non, il fait du fesses. Ski. Il est sur des skis là. Ah, il fait du il ski. Il est lancé sur du ski, il a un petit backpack. Il a un petit backpack. Tu peux faire un et il est lancé comme ça. Un sac oui. à dos là. Ah oui, on peut faire un sac à dos là. Ah oui. Ça c'est bien. Et il est lancé comme ça. Allez, ouais. qui se lance pour le surtout pas moi. Le sac à dos. Je vous conseille pas. Allez, je vais faire le sac à dos. Fais le sac à dos. Alors le sac à dos, c'est évident. C'est des petits skis, mais... Le sac à dos, il y a une poche, là. Alors, c'est juste un randonneur. C'est peut-être juste un randonneur. Hein? Il y a juste une poche, là. Oh. Parce que là, toi... C'est le premier truc que j'ai vu, c'est ouais, pas vrai. Ouais, ouais. On nous dit. Et puis, ça tient avec des bretelles, son sac. Oui. Hein? Oh, un chien backpacker. Bah, on dirait notre dogo à nous, c'est dingue. Ouais, comme ça.
Alors... il a plus qu'à mettre, il a plus qu'il manque juste le sac. J'ai... Ah oui, les bretelles au-dessus du sac. Ouais. D'accord. Comme ça, t'es d'accord? Ouais. Et peut-être qu'on peut... Là, si c'est l'épaule du chien, il y a la bretelle sur l'épaule comme ça, non? Non, j'ai perdu. Oui, bien sûr. Elle est perdue. Tiens, il y a la 3 bretelles. Il est déçu. Non, moi je la voyais ici, la bretelle, mais je pardon. Oui, non, mais bien sûr. Je sais plus sur quel projet. Alors. Je sais plus sur quel projet on est là. Je sais plus quel projet. Sac, on va le décorer comme ça. Il a des moufles, on nous dit. Il a des moufles. Et c'est vrai qu'il a des moufles. Dans son sac, il y a peut-être un truc qui dépasse là. Ah oui, un petit snack, un Toblerone par exemple. Un Toblerone. Ou une vache qui rit, ça dépend comment on le voit. Triangle, de toute façon, on l'a fait triangle. Hein. Voilà. Nous, on est très, très dans le triangle. Ça, j'ai bien aimé ce petit détail. Hein, toi ? Ouais, ouais. Ça vous va ? Les moufles, c'est pas mal, voilà, les petites moufles. Je sais pas, des moufles. Pourquoi ? Bah, c'est... Attends, mais non, c'est ici, toi, c'est toi, c'est toi la moufle. Oui, je fais. Tiens, moufle marron. Mais où est-ce que tu vois des moufles ? Là, au bout des. C'est moi, là. Pour moi, il est en Naruto. Ah, il est en Naruto. Exactement. Oui, t'as raison, elle est là, la truc, je sais pas pourquoi je l'ai faite là. C'est pas grave. Oui, non, comme ça, le sac tient joli, bien. Il peut pas tomber. Mais voilà, c'est ce que nous a dit Marion Fossette. Merci, merci. De toute façon, quoi que je fasse, ils me défendront toujours. Oh, bah, même une moufle, hein, j'ai peur. Là, j'ai peur. Moufle, c'est. Bah oui, c'est comme ça. Et avec un pouce. Il y a un pouce, mais du coup, ouais, effectivement, comment on va. Moi, je le colle, allez, on va le faire comme ça. Voilà, comme ça. Comme ça. Il est très collé ton pouce. Ouais, mais comme ça, rien. Ah, bah là, il est oui, il est. Oh, regarde, c'est pas si mal. Ah, pardon. Ah, oui. Bon, là, on sait pas trop ce qu'il y a à cet endroit-là, mais. Ouais. Colorier en noir. Ouais, c'est ça. Quand on sait pas, faut colorier en noir. Ça donne une impression de profondeur. C'est oui. Ça. Ah, bah voilà. Ah, bah c'est pas mal, attends. Ah, bah ouais, c'est super. On a joué. Peut-être pas assez loin avec pour un être dessinateur clair. De chez Marvel. Bah là-dedans, il dessine Wonder Woman à la perfection. C'est sûr. C'est fou. Je lui fais une manche peut-être. C'est une connerie ou pas ? Non, c'est pas une connerie. Oh là là, on dirait pas une move, c'est fou. Même une move, je sais pas faire. Si, c'est pas mal. Si. Mais tu devrais continuer le noir. Ouais, là, faites. Attends, on va continuer. Ouais. Oh, je vais dépasser. Ouais. Non, on va pas dépasser. Surtout, fais pas. Quand on joue à ce jeu, je remets ma vie en question toute ma vie. Et là, comment. Voilà, là, c'est la manche. Là, c'est pareil. Attends, voilà. Moi, et là, fais le son à sa truffe. T'as fait quelque chose de ma moufle, Valentin. Sa truffe, ouais. Très belle phrase d'ailleurs. T'as fait quelque chose de. Et attends, les chiens, ils ont un truc un peu. Son yeux, je tente un truc. Ouais. Ah oui, le oui. Des petites moustaches. Et en fait, je crois qu'il est pas content. On dirait qu'il fronce les sourcils un petit peu. Tu vois. T'as vu des sourcils, toi. Ah bah là, c'est des sourcils, non? Non, c'est une oreille. Ah, on dit oui ici. Ah, une oreille, ouais, moi je. Non, mais allez-y si vous voyez des sourcils. Ah, ouais, bah, faudrait pas se brouiller. On dirait un gland, sa tête, non, mais. Non, mais vas-y. J'aimerais que si on fait ça, on ait un peu plus le bras. Oh, l'autre, ça me tombe. Ouais. Rien, vraiment. Comme ça, Il fait vachement. Ça change tout. Hein, ah, bah oui. Oh, mais ah, rien. Ah, ouais. Oh, on peut lui faire des boutons. Je vais lui faire des boutons. Sur la tronche, ouais. Voilà, non, il lui manque des yeux, ce chien, non ? Ah, oui, des boutons. C'est fermé. Ah, mais attends, mais c'est vrai que ça a des moustaches, un chien. Pas mal, ouais. Il s'inspire, il s'inspire de notre chien. C'est comment les moustaches d'un chien ? Eh ben, bon, allez, comme les moustaches de chat, mais de chien. Voilà. Ouais, comme ça. Je passe et mal. Il n'a pas un œil ? Bah si, là, il voit rien. Mais là, Bah, je sais pas, moi, je ferais par là. Non, ça, c'est pas l'oreille. Bah, évidemment, ce jeu est réalisé par des professionnels. Hein. N'essayez pas de le faire chez vous. Ouais, c'est bien. Et donc, pas les sourcils. C'est son oreille. Et si son il a une tête d'otarie. Ah oui ? C'est devenu une otarie. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, Brigitte. Oh là là! Oh, ça brinse d'eau! Regarde, c'est le gars! Oh, pas mal! On peut lui faire un petit backpacker! Mais du coup, il faudrait fermer le sac à dos, ça me perturbe. Est-ce qu'il faudrait pas. Oh, très bleu, en bleu, en bleu! Regarde, si on regarde comme ça, je trouve qu'il y a. Ouais, on a l'impression qu'il est devenu un sac à dos! Non? Ouais, si, c'est un peu ma faute! C'est magnifique! Non, parce que ça ressemble à un sac à dos Herschel, ou avec les deux petites bretelles. Ah oui. Donc non, mais on n'est pas obligé de faire ce trait bleu. Manque toutes les skis. C'est vrai que. Vas-y, fais-le. Mais les skis. En fait, tu le vois le trait. On a perdu les skis en fait, effectivement. Tu vois un trait bleu là. Pour faire. C'est là tu. Ah ouais. Ouais, très bon. Bien, ouais. Ouais, bon. Ah ouais, c'est très non, mais bien. C'est et alors les skis. On est professionnel. Là. On n'a pas le droit de dépasser. Ah non. C'est dommage. Mais c'est pas si mal là, on dirait. Ah, non. Attends, j'ai l'impression qu'on n'a jamais fait un aussi beau dessin, Julien, nous. Bon. Qu'est-ce que non, mais que nous deux, avec vous, Julien, jamais on a réussi à. Ah non, oui, bah là, c'est parce que c'est une collab. Ah oui, non, moi non. Parce que je suis là. Bah oui. Moi, déjà, sur les moufles, Déjà, on voit le sac à dos. J'ai toujours que sur les moufles. Ah, non, il est très bien. Bon, bah, c'est parfait. Bon, franchement, on peut s'arrêter là-dessus parce que. Franchement, c'est alors. Voilà.
Voilà. Un autre chien, on nous dit dans le chat. Ah oui, c'est un autre chien. Il y a un c'est parce que t'as deux petits cousins, c'est pour ça. C'est pour ça que tu as demandé. De... Alors. Oh bah, t'es obligé de ah moi je signe aussi. Mais oui, bah oui. Ah là là là. C'est une collab. Hein. Ah, bah, je vais signer en petit parce qu'il y a que la moufle. Cousin. Je vais signer en noir pour la moufle, mais parce que c'est mon unique contribution. Je prendrai en marron pour faire suivre les codes couleurs du dessin. Ah ouais. Voilà. Du coup, j'ai signé en énorme finalement. Le melon du mec. Je suis en petit, je suis en énorme. Magnifique. Waouh. Oh bah là, moi je trouve que pour une collab. Et là, avec les trois signatures, le ouais, prix. Et Brigitte, tu voulais un cadeau d'anniversaire. Et ben ouais, voilà. Voilà ton cadeau d'anniversaire. Ouais, non, mais ça se compte en Bitcoin. Ça, hein. Ça ah, se ouais. compte en Bitcoin. Ouais, je pense. Ouais. Je pense que là. Magnifique, on le dit. Bah, merci beaucoup. Merci. Hein. On va passer à la dernière catégorie oui. qui n'est pas très longue. Qui en est fait, rapide. Hein. On fait jouer à tous nos invités ah. le même jeu. Et donc il y a un tableau des scores. C'est un jeu qui s'appelle Crazy Taxi. Où le but c'est. Tu joues un taxi et le but c'est de récupérer le maximum de clients possible. Tu vas voir, c'est. Il faut leur sauter dessus. C'est ça, faut leur rouler dessus. Je vais t'expliquer un petit peu comment ça se passe. Faut pas leur rouler dessus. Oh une... dommage, parce que ça, je suis forte. On peut jouer de nouveau aux chaises musicales si tu veux, Brigitte. Et une fois que tu seras prête à jouer, on lancera. Tu auras 3 minutes pour faire le meilleur score. Mais avant, je vais te montrer comment ça. Ouais, mais comment là. Ça fonctionne. Tu peux revenir à l'espace du gaming. Ah oui, pardon. Ah oui, c'est... Il est bien votre espace. Hein. On profite de toutes les positions. Ah oh ouais, mais c'est vraiment super bien. Crazy Taxi. Ah non, hop. Alors. Crazy. Là, ce sera... Alors, attends, ça y est, j'ai oublié. Je sais plus si c'est avancé ou si c'est là. C'est les bah, deux, c'est les deux non qui est juste non, les deux. Freiné, mais ça, sûr, il y a 3 minutes. Ça c'est avancé. Il y a 3 minutes pour ou alors l'inverse évidemment. D'accord. J'ai une chanson de. C'est ça, ça c'est tourné ouais. évidemment. Et alors la petite subtilité, je te montre tout de suite. Il y a rond ou triangle, c'est pour passer soit la marche avant, soit la marche arrière. Rond, c'est tu repasses la marche arrière. Triangle, tu repasses la marche avant. D'accord. Salut Elia, et merci donc, beaucoup d'être passé. Ça avancé. Avancé. D'accord. Et donc en gros, il faut passer sur des gens, s'arrêter et la personne monte. Et après, il faut l'amener, je te laisse. Oui, parce que là, tu es en train de jouer à sa non, place, Jonathan. Alors. Et donc là, c'est. Là, il faut passer la marche avant, donc avec triangle. Et là, tu appuies sur le. Ah, celui-là. Voilà. Et c'est parti. Et là, il faut suivre la flèche. J'ai pris un client, pardon. On ne peut prendre qu'un client à la fois. Ah, alors, et qu'est-ce que je dois en faire? Tu dois l'amener là où la flèche te guide. Ah, d'accord. Excuse-moi, j'ai pris. Ah, bah ouais, alors, ah, c'est, on me dit rien, on me dit rien. On peut recommencer si tu veux voir. On me dit rien, tiens. Ah, ouais. Il faut pas que j'ai d'accident. Non, mais si tu frôles les voitures, tu gagnes des points. Ah, d'accord. Il faut avoir une conduite un peu crazy. C'est ça. D'où le nom Crazy Taxi. Oh là là, mais c'est crazy tout ça. Hein. Oh ah la vache, parce que tu nous fais la même chose, Brigitte, tout à l'heure, ça va être beaucoup de points ça. Et là, tu vois, tu dois l'emmener dans la zone verte juste devant toi. Et là, tu peux t'arrêter. Et voilà. Et tu alors prends des clients, et là, tu peux aller chercher un autre client, par exemple, juste ici. Ah, ça doit. Voilà, pas si mal. Tu l'amènes. Là, par contre, la marche arrière, c'est toujours chiant. Ouais, la marche arrière, c'est chiant. Ah, la marche arrière, faut passer c'est la marche celui-là. Arrière, c'est rond, je crois. Il faut l'enclencher comme dans voilà. les voitures américaines. Là, tu l'enclenches c'est et là, tu repasses la marche avant avec triangle. C'est voilà. un simulateur. Nyaa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 
Il y avait un petit, voilà, la voiture est vieille. Parce qu'elle sait que, voilà, elle sait qu'elle, elle a tout compris. Donc elle prend le temps de perdre. Allez, temps. Oh putain pas, elle a pas de rond sur... Elle a pas de rond. Ouais, faut avancer. Merde. C'est pas, ça a commencé, Brigitte. La course a commencé. Tu peux t'arrêter. Elle était pas au courant que la course avait commencé. Non. Mais c'est pas grave, je fais des points. Tu vas le trouver. Là. Comment on fait pour s'arrêter? Aïe. On n'a pas écouté les instructions, j'ai l'impression. Mais pourtant, ça s'est très bien passé. Ah oui, c'est vrai que c'est décevant. C'est vrai que c'est décevant. Ah, oui. Il nous reste 2 minutes, hein, j'ai envie d'y croire. Allez, faut aller chercher un clé. Allez. Elle abandonne, Brigitte. Elle abandonne, elle s'arrête. Elle rend les clés. Allez. C'est pas mal. Ah, ça, c'est la marche arrière. Mais putain. Ah oui, quand je m'arrête, je fais la marche arrière. Ouais, on oui. sait bien, on a un client. Putain. Il est content qu'on ait un client. Oh, 488, Brigitte. Allez. Brigitte, si tu l'emmènes. C'est marche arrière et marche avant. Ah, putain. Ouais, ça c'est toujours chiant. Là c'est bon. Ah, c'est ce putain de truc. Ça c'est bon. Ouais, faire demi-tour, c'est plus simple. On s'en fout, voilà. C'est bien, c'est très bien. Brigitte, si dans 55 secondes, tu l'emmènes à destination, tu bats Chomsky. Voilà. Déjà c'est bien. Faut amener ce client. Et tu bats Antoine Chomsky. Doucement, quand même. Ouais. Tu m'as dit crazy. Crazy Fru. Crazy Brigitte. C'est pas mal, c'est pas mal. On est sur Crazy Brigitte. Crazy Brigitte. Elle a enclenché le mode Crazy Brigitte. C'est pas si mal, 35 secondes, j'ai envie d'y croire. Si tu l'emmènes, Chomsky, c'est out déjà. Oh là là. Audrey Pirot, Chomsky, ça serait out, j'ai envie d'y croire. Oh, voilà, elle se croise en. Non, James Bond. C'est du délire. Ah bah là, c'est du délire. Oh, c'est pas si loin. Je crois qu'on est pas si loin là. Ah, mais c'est pas mal. Ah non. C'est que je suis. Ah, c'est, ah non, c'est pas par là, c'est pas par là. Oh. Ouais, celui-là, 15 secondes. Brigitte. Allez, Brigitte, on lui dit quoi. Elle passe par les escaliers, mais elle se prend pour Tonyok. C'est par là, c'est par là. Oh, oh non. J'espère que c'est par là. C'est par là. Ah, j'ai l'impression que c'était pas la bonne direction. Oh merde, c'est en plus. Aïe. C'est pas grave, on perd ce client. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Alors peut-être. C'est dommage. On va en trouver un autre. On est confiant, la conduite commence. Ah, là, il y a un rouge, c'est bien. Freine. Non, mais prends celui-là. Oui. Allez, on prend celui-là. J'ai pas touché. Et recule. C'est où, recule? Là. Bah, avance. Fred. Mais. Ah non, Fred sur celui-là. C'est bon, on en a un. 25 secondes. Mais ça ne compte pas de prendre des gens. Allez, on y croit. Il faut tourner avec les sticks. Ah, mais attends, où c'est qui doit aller? J'étais bien à la répétition. Aïe. 40 secondes, ça te paraît? Putain, hein, si j'ai envie pas Antoine Chomsky. J'ai envie d'y croire. Time up. Aïe. Ça c'est du délire. Je pense que personne n'ira en dessous de moi. C'est vrai. Ouais, oui, je pense que. Je sais pas si on peut perdre des points. Je pense que tu seras toujours dans le tableau, puisque tu risques d'être la dernière. Et qu'on va t'afficher pour. Voilà. Ah non, ça m'arrive souvent en vrai, nous disons Bobo. Bon. Ah. C'est pas grave. Merci. C'était très bien joué. Elle est bien meilleure sur Rocket League. J'ai adoré ce jeu, hein. C'est. Ça fait mal au cœur. Tu es dans le tableau des scores, écoute. Et on nous dit que tu es meilleure sur Rocket League. Tu joues Rocket League. Vous avez vu la truc, elle est trempée. Elle a sur du fond. Elle a sur du fond. J'avais pas reculé, ni à m'arrêter. Ah non, mais on peut pas nous mettre 10 balles pour qu'elle ait 10 balles. Juste... Ah ouais, il y a Zobobo qui dit je conduis pareil dans la vraie vie. Non, fais jamais ça. Ah, c'est dommage, à l'entraînement c'était tellement bien. En tout cas, c'était drôle. C'est vrai que si on mettait le classement des courses drôles, Brigitte, t'es pas mal. Mais j'ai battu Chomsky là-dessus sur le drôle. Prenez-moi drôle, Chomsky, il est pas drôle. Non, il est pas marrant. Très sérieux. Il est trop sérieux. Ouais. Mais tu l'as battu à l'entraînement, c'est ça qui est dommage. Oui, c'est vrai. En plus, t'as fait plus de très très nul. Jamais s'entraîner finalement, on aurait peut-être dû. Ah ouais, c'est ça. Bon, bah c'est pas grave, c'est le jeu. Le jeu, c'est le jeu. J'ai l'impression que t'es un jeu. Tu sais, Fort Boyard, ils ont pas ouvert la porte quoi. Bon, bah c'est pas grave, c'est le jeu. T'es tombé du bateau avant d'arriver à Fort Boyard. C'est le jeu. Et tu loupes toute l'émission. C'est le jeu. Bon, il y a un jeu où tu peux pas perdre, Brigitte. Ah, c'est pas un jeu, c'est juste. Regarde, signer cette petite table, tu peux revenir. Alors, tu peux même te mettre où tu veux pour signer cette table. Pardon, oui. Ah oui, c'est vrai que on a un petit espace peut-être là, ici, là. Là, ouais. Ouais, ouais. Ah oui, mais ça va être un chantier. Non, il n'y a pas de problème. Ah oui, il faut jouer. Bah oui, mais on essaie d'exploiter les zones inexploitées. Bah oui. Inexplorées, même. Ça va le faire. On fait encore les chaises musicales. Ouais, bien sûr. Moi, je disparais. Alors. Oui, parce que tu vois, tout le monde a signé cette table. C'est trop mignon. Tu
peux la soulever de ce côté-là. Voilà. N'hésite pas à prendre de la place. Regarde, il y a plein de place. Ah oui. Étale-toi, il y a des crayons ici. Si tu veux nous faire un petit dessin, tu peux. Regarde, tu vois, il y a des petits dessins. Tu fais comme tu veux. Vous avez vu comment je suis douée en bébé. Eh ben, écoute, si tu veux nous refaire. Vous voulez un petit sac à dos? Alors attends, mais Brigitte, voilà, juste là, si, voilà, juste là, c'est pour mon cousin. Et en dessous, tu juste en dessous. Juste après, il y a la table, juste derrière. Non, je ricochais. Alors, qu'est-ce que je vais vous faire? Je vais mettre la petite caméra de plateau, la fameuse. Ah oui. T'inquiète, tu peux y aller. Ah, ça fonctionne ou ça fonctionne pas? J'essaye la perspective même. Oh, un dessin. Hein, franchement. C'est comme ça, hein. Merci en tout cas au chat. Hein. Le chat était très, très dynamique, très réactif ce soir. Merci encore à vous. Merci du coup, Brigitte aussi. Hein. On ne te remerciera pas assez. Oh là là. Je marque ce que c'est dessus. Le sac. Oh. Ah, mais, oui. Mais je comprends enfin à quoi ressemblait le sac de tout à l'heure. Non, c'est moi qui t'ai cassé ton sac. Oh là, c'est pas comme ça, hein. C'est pas comme ça, ça. Une belle signature. Si, si. Ah, si, mais justement, là, effectivement, je comprends mieux. Voilà. Oh là là, splendide. Vous voulez un cœur? Ah, oui. Si tu veux nous l'offrir. Ouais, ça. Regarde, un chacun. Wow. C'est un autour harnais de mon sac. Et alors, pourquoi tu nous as fait le M de McDonald's? Je comprends pas. Un nouveau sponsor. Ouais. Non, on l'arrête pas. Bravo. Et il y a The Pix qui s'est abonné aussi il y a 6 minutes. Merci beaucoup. Ouais, on rajoute des petits détails. Elle arrive plus, elle s'arrête plus. Ouais. Toujours du. Ah oui, parce que. Il faut... Ah, on le reconnaît. On le reconnaît bien, ouais, très effectivement. Bien. C'est le sac du dessin. Très très beau. Cette signature, on sent qu'il y a eu de la convention. On sent qu'elle a été travaillée. C'est. J'adore plus. Tu m'as dit, tu prends la plage. J'ai pris la parfait. Plage. Non, mais c'est parfait. Elle est un peu. Elle a un peu la grosse tête. Je te rends un micro. Alors pour ton cousin. Oh. Ah donc c'est Gabriel, c'est mon neveu, hein, c'est pas mon cousin. C'était le mien dont elle parlait. Ah pardon. Bah oui. Bon en fait vous prendrez celui que vous voulez. Ouais, c'est pas mon cousin moi. Parce que là il y a un pour ton cousin. Voilà. Pour ton cousin, bon si elle est pour vos cousins aussi, faites un screenshot. Voilà, ça c'est pour vos cousins. Merci beaucoup Brigitte, merci t'as été incroyable, c'était très drôle, merci au chat du coup. Merci, merci à vous. Ah oui, on se retrouve la semaine prochaine avec Marion Creusevaux et Julien Pestel, la semaine d'après avec Marcus, et vas-y. Et je peux dire un truc, si vous aimez les podcasts et si vous aimez, si vous avez des enfants, en ce moment je fais un podcast sur France Inter, qui est fait en collaboration avec le Muséum d'Histoire Naturelle. Et où je fais les voix de toutes les petites bestioles. Et c'est une histoire, c'est des histoires sur la survie des animaux dans la nature. Donc c'est très. Oh, superbe. Comment ça s'appelle? Bestioles. Je vais essayer de retrouver. Ouais. Bah, si t'as un lien, c'est hyper sympa. Bah, carrément. Et c'est un podcast et c'est vachement bien. C'est écrit par des grands écrivains d'aujourd'hui. Et c'est Denis Chessou qui fait le narrateur et moi je fais toutes les bestioles. Voilà. Trop bien. Et je m'amuse. Bah ouais, super, donc je fais la voix. Ouais, c'est ça. Voix d'un ver de terre, d'un petit kangourou. C'est ça, c'est le petit bestiole que tu vois là. Oh bah super. Ouais, c'est super. Bah, t'as changé d'onglet au moment où il a affiché Pardon, je dans le chat. Nick, tu peux remettre peut-être pour qu'on ait l'image. Voilà, c'est pour voilà, bestiole. Bestiole sur France Inter. Voilà. Et évidemment, ta chaîne Twitch, ta chaîne YouTube, on a donné les liens au début. De toute façon, vous tapez Brigitte Lecordier, vous arrivez dessus. Voilà. Et très simple. Et c'est des petits trucs de 4 minutes. Okay, c'est super. Vraiment chouette pour les jeunes. Et moi, personnellement, j'ai appris plein de trucs. Non, mais c'est vrai. Super. Merci Stéphane aussi. Oui, merci Stéphane. Mais je vous en prie, c'était un plaisir. Il est sage, hein. Moi, je suis sage, bon. Je suis dans mon coin, tranquille. Je vous observe. Je vous observe. Ah, aussi, ouais, je profite. T'as raison. On arrive à la fin de l'émission. Ah, merci à vous. Bah oui, c'était super. Je cherche qui on va pouvoir hoster. Je regarde et je vois pas malheureusement The Hamilton, le fameux. J'osais espérer qu'il soit en stream pour te faire une chanson, Valentin, mais malheureusement non. N'hésitez pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent des gens en stream que vous en aimez bien. En ce moment, ouais. Bah ouais, voilà, on aime bien héberger. Moi, je regarde un petit peu. Je suis pas mal de gens. Moi, je regarde aussi. Les petites chaînes. Bah, c'est ce que je fais aussi. Je vais toujours en bas en général. Mais il y a pas mal de gens qu'on a déjà hosté aussi, donc sympa. Je regarde. Mais sinon, j'aime bien prendre des propositions. Chat. N'hésitez pas à nous dire ce qu'ils font aussi en live parce que c'est toujours plus facile de se projeter. Je regarde au cas où. C'est vrai que sinon il y a Arnaud de sa mère, il était avec nous la semaine dernière. Arnaud, il est suivi, mais il doit avoir beaucoup de gens.
Il a déjà beaucoup de gens. Mais ouais, bon, pour le remercier vrai, d'être venu vrai. La semaine dernière. Ah oui, on peut le remercier. On lui dit tous que c'était compliqué. Parce que c'était. Oui. Il nous explique. Il déteste. Il déteste les gens qui font. Ah, oh, c'est compliqué en ce moment. On vit une période compliquée. Ça c'est commence à l'énerver. C'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller lui dire. Et discrètement. Le mieux, c'est discrètement. Vous allez sur son stream. Et puis régulièrement, de temps en temps, un petit compliqué. Il pilote de toute façon. Bon bah voilà, vous dites son pilotage compliqué. Ah oui, compliqué. Ton pilotage. Ça va vraiment le pauvre. Ok, on vous envoie chez Arnaud de sa mère. On va faire un raid cette fois, puisqu'on nous a dit qu'il valait mieux faire un raid. Et même si. Donc c'est Arnaud _ de sa mère. Ok, je vais essayer. Pourquoi parce que tu faisais? Je faisais un host, moi, un hébergement. Ah, et on d'accord. m'a dit que c'était mieux parce qu'en fait, sinon il y avait deux chats. Les gens restent sur notre chat, plus sont en même temps de l'autre côté. Alors que là, tout le monde est directement envoyé là-bas. Chez Arnaud. Voilà, ça. Donc je découpe, mais je vais voilà, mettre dans le chat. / raid, si je comprends bien, Arnaud de sa mère. Et on va être parti chez Arnaud de sa mère. Donc allez lui dire que c'est compliqué, le moindre truc, que tout est un petit peu compliqué. Que tout quoi. Est compliqué. Merci beaucoup, Brigitte. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Salut, merci. Merci le chat. Salut.